Et bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Donc bienvenue dans cette quatrième carte blanche. Donc avant qu'on continue, j'espère que tout le monde m'entend, que l'image est bonne. Et pendant que vous répondez, quand vous dites bonjour, je fais tout de suite venir mon comparse Antoine, que voici, que Hello! voilà. Et oui, Voilà. là, Il présent. est là. C'est. Voilà. Non, c'est plutôt comme ça. Bah, voilà, là. Il est là. C'est beau. Et il frise. Ou pas. Non, c'est bon. Donc, écoutez, on dit déjà bonsoir à Jared sur YouTube. Bonsoir à Ken sur YouTube. Bonsoir à Arioc. Bonsoir Jean-Marie. La grippe. Mais non. Tu es plus résistant que ça, Jean-Marie. Nous savons. Bien Voilà. sûr. Donc, la carte blanche numéro 4 spéciale édition Mnemos. On va pas trop tarder. On va tout de suite faire entrer donc Frédéric Veil des éditions Mnemos et Patrick Morand. J'espère que je n'écorche pas le nom. Il me corrigera s'il y a besoin. Et on va discuter un petit peu John Brunner. Donc voilà, Bonsoir tout le Frédéric monde. et Patrick. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas dans le chat hein, si vous avez des questions au fur et à mesure. Donc on va clairement axer la discussion sur d'abord les nouveautés hein, vite fait de l'édition de Nemos pour le premier trimestre, et puis ensuite sur John Brunner, un écrivain que je mettrais quasiment au même niveau que Philippe K. Dick dans les auteurs du XXe siècle. Rien que Alors ça. on est d'accord. Voilà. Un petit écrivain qui mérite d'être reconnu à sa juste valeur. Donc, voilà. Donc on ne va pas présenter l'édition de Nemos, parce que je l'avais prévu dans le fil conducteur, mais je pense que là, ce serait peut-être une émission à part, en fait. Ouais, en quelques mots, hein, j'allais dire en quelques lignes, des formations professionnelles. Les éditions Mnemos ont été créées en 95 et 96. On était parmi les pionniers dans la fantasy francophone. On a lancé des, voilà, on a lancé des noms aujourd'hui qui sont devenus des classiques, Mathieu Cabory, Fabrice Colin, Pierre Grimbert, et tant d'autres. Laurent Clotzer. Laurent Clotzer, bien sûr, et j'en oublie, et il y en a plein. Notre ADN, c'est quoi? C'est de trouver des nouveaux talents, des voix originales, fortes, qui nous passionnent et qui vous passionnent dans les littératures d'imaginaire. On a notre deuxième axe, c'est nos goûts patrimoniaux pour les bijoux de l'ASF, les pierres précieuses, les trésors de la science-fiction. Ceux qui nous parlent encore aujourd'hui, ceux qui disent quelque chose, pour ça, on a une collection qui s'appelle Les Intégrales. On aime faire aussi des beaux livres, ça, c'est quelque chose qui nous caractérise. On adore le livre en tant qu'objet. Et puis, depuis 2, 3 ans, on a lancé un label qui nous passionne aussi, qui est le label MU, qui est spécialisé dans des voix nouvelles, qui oscillent entre l'imaginaire et la littérature générale, puisqu'on voit que le public aime aussi un public qui est plutôt classique de lecture classique, aime bien voir aussi du côté de l'imaginaire et inversement. Et il y a des talents incroyables en France qu'on aime mettre en avant. Ouais, j'ai lu Voilà, Michael Rock, le livre jaune, qui était voilà, fabuleux, exactement. quoi. Michael Rock fait partie de ces plumes qui nous enchantent. Mnemos, c'est une petite équipe, on est 6 personnes à peu près, on est installé dans le Beaujolais. Et on aime passionnément notre métier d'éditeur de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique. Genre, je me souviens des éditions de Nemos au tout début, parce que j'étais passé à l'époque, c'était encore à Paris, Oui. et c'était Multissime Nemos. C'est ça, Voilà. exactement. Et j'ai oublié de le dire, mais Mnemos a été créé par des gamers, par des créateurs, des concepteurs et des joueurs de jeux de rôle qui effectivement s'occupaient de Multissim. Voilà. Parce que je me souviens des premiers romans, donc c'est Guild, la trilogie de Oui, Jeanne Marsan, voilà, c'est ça. ouais, les premières trilogies de Néphilim aussi, Oui, et puis ensuite après on voilà. a eu les. Et puis Je Mathieu les ai Gabory, encore. voilà, voilà, exactement. C'était il y a 25 ans. C'était il y a longtemps. Une Déjà? Oh, génération impossible. avant. Mais non, mais non, mais non, c'est impossible. Donc voilà, c'est Voilà. bon. Pour les éditions de Nemos, on pourrait faire une émission complète là-dessus, mais on aura Et peut-être voilà. une occasion. Et Et rapidement pour présenter Patrick. Patrick, on s'est rencontré parce que il nous a envoyé un manuscrit qui m'a vraiment beaucoup impressionné, qui s'appelle La Cresserelle. Et voilà. Et puis on est devenus amis au fur et à mesure de notre travail et collaboration éditoriale. Et puis Patrick est aussi universitaire. Mais je te laisserai
te présenter sur cette question-là. Et Patrick est un dingue de science-fiction et de fantasy. Il connaît tout, beaucoup de choses. Et en particulier, il partage bon, la Sword and Sorcery, tu aimes beaucoup. Hein, et il partage cette passion pour John Brunner et son œuvre, entre autres. Oui, parce que les romans que Patrick a écrits, donc bah, je te laisse te présenter, mais c'est plus fantasy, donc c'est la Cresserelle, hein, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Oui, c'est ça. Mon premier roman, c'était La Cresserelle en 2018, puis il y a eu Les Six Cauchemars en 2020, qui est une suite roman indépendant avec le même monde, même protagoniste. Et puis un troisième roman qui est sorti juste en septembre dernier, qui s'appelle Metalia entre les mondes, et qui lui, est, c'est de la fantasy, un peu matinée de science-fiction, matinée un peu de... Donc, où je joue un peu avec le genre, justement. Voilà. Mais ouais, comme Fred a dit, j'ai un côté obsessionnel compulsif avec les sujets que j'aime bien. Je pense que c'est des formations. Je pense qu'on a tous un peu ce même défaut. Antoine, pareil. Ouais. Hein. Oui. Je vois pas de quoi tu veux parler. Et Patrick, t'enseignes la littérature aussi. Ah. Ouais, ben en fait ma formation de base, c'est que je suis spécialiste de littérature médiévale et je suis prof d'université au Canada à Vancouver, l'université de Colombie-Britannique. Mais j'ai aussi une spécialité en fiction populaire en fait, donc j'ai travaillé un peu sur l'héritage médiéval dans la fantasy, mais aussi la science-fiction et juste le concept de fiction populaire en général. Et puis, Brunner fait partie des auteurs sur lesquels j'obsède en particulier. Quoi. Oui. Quand on discutait au tout début, c'est vrai qu'on échangeait sur les quelques bouquins qui sont à mes côtés et je ne me souvenais plus qu'il en avait écrit autant et surtout qu'il y en avait autant qui avaient été traduits en France. Ça m'a... Dans les années 70, il était très, très réputé déjà. Absolument. Ouais. Donc, avant qu'on attaque sur John Brunner, on va faire un petit point sur les nouveautés de la rentrée chez Nemos. Hein, avec plaisir. Pour d'abord janvier, puis jusqu'à mars. Donc, je vais mettre les petites images qui vont bien, même si tu veux commenter, Frédéric. Donc, les trois nouveautés du mois de janvier, les voici. Rapidement, c'est très gentil de nous permettre de mettre en avant nos bouquins, mais l'intégrale Lovecraft, je pense que beaucoup d'entre vous, elle est derrière. Vous suivez notre travail que l'on fait là depuis plusieurs années maintenant, depuis 10 ans hein, sur Lovecraft, avec David Camus, donc qui est le traducteur et qui a retraduit l'entièreté de la fiction de Lovecraft. Nous avions fait un crowdfunding il y a 4 ans maintenant, qui avait rencontré son public et un véritable engouement pour cette volonté de retraduire de manière avec une seule voix et une façon très profonde d'aller vers le texte lovecraftien, de redécouvrir en fait cet écrivain écrivant. La traduction est vraiment extraordinaire. Le travail de David, vraiment, il a marqué très très forte. Il a fait redécouvrir Lovecraft à plein de personnes. C'était vraiment quelque chose. On se connaît depuis longtemps avec David, et c'est une première chose qu'on s'est dite quand on s'est rencontrés. Quand on a lu, on était des joueurs de l'Appel de Toulouse, hein, c'est une des raisons pour lesquelles on est allé vers Lovecraft. Et quand on a lu Lovecraft, et quand je l'ai lu en anglais, j'avais pas l'impression de lire le même écrivain par rapport au texte en français. Hein. Donc, ça faisait très longtemps qu'on avait envie de faire ce travail, et cette intégrale est donc le résultat de cet effort que nous avons fait depuis plusieurs années. Et là, en janvier, on sort le 6e tome. L'avant-dernier, je crois. Voilà, ouais. Ouais, c'est l'avant-dernier. Et en mars, on sortira le dernier. Voilà, c'est ça, exactement. Et ça a été à la fois une passion, dans tous les sens du terme, de faire ce travail. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais quelle joie à la fin de retrouver en français la prose et la poésie de Lovecraft. Ce qui était passionnant, parce que moi j'avais fait en lead page à l'époque, mais c'était d'aller sur la page vue et de voir toutes les semaines les
les commentaires de David, c'est incroyable, quoi. Ah oui, il a vécu le Lovecraft à l'intérieur de lui. De l'intérieur. Clairement. Ouais, ah ouais, c'est impressionnant. Notre deuxième sortie, eh bien, c'est oui. En partie l'objet de notre, le sujet plutôt de notre réunion, c'est l'intégrale Les Planétaires. Je vous propose d'en parler un peu après, puisque nous avons réuni là les meilleurs space opéra et planète opéra de John Brunner. Ouh là là. Et avec des entièrement traductions révisées, traductions inédites, présentation donc de Patrick, voilà. Qui est un fin connaisseur de l'auteur. Mais on vous en reparlera en détail dans quelques minutes. Hein. Et ensuite, si je ne dis pas de bêtises, et puis, Larry Niven, qui est pour moi un de mes auteurs préférés aussi de science-fiction. Voilà, c'est ça. Qui, lui, malheureusement, n'a pas été suffisamment traduit en France. Il y a beaucoup de choses qui seraient très intéressantes de traduire. On va voir si on va y arriver. On va essayer d'aller voir ces autres cycles. Mais l'Anneau Monde, c'est l'un des cycles majeurs de la science-fiction mondiale et l'une des inventions les plus incroyables qui a été faite par un auteur dans le domaine de la science-fiction et du space opéra, puisqu'il s'agit d'une structure immense qui orbite autour de son soleil et la forme d'un anneau. Donc, quand vous vous retrouvez en fait sur cet anneau monde, votre horizon n'est pas comme le nôtre, c'est un immense, une sorte d'immense, comment dire, anneau qui réduit un fil et qui passe derrière le soleil. Comme ça. Donc, vous imaginez que votre horizon, c'est ça. Le petit dernier. Non, ça voilà. C'est le mois de mars, pardon. Ça c'est le mois de mars. Donc ouais. Voilà. Bon, je peux en parler hein, rapidement. En poche, Helios. Eh bien, c'est Raphaël Bardas, jeune plume de la littérature de fantasy, et il a inventé trois personnages qui sont, des sortes de losers magnifiques qui vivent des aventures. Voilà, c'est ça. Truculent. C'est une sorte de Don Quichotte qui ne se prend pas au sérieux et en même temps profondément humain et attachant dans leur caractère et la façon dont ils sacrifient pour sauver leur ville ou découvrir les secrets de leur monde. Quoi. Si je ne dis pas de bêtises, en plus, Raphaël est un rôliste aussi. Absolument, Raphaël est un rôliste. Il y en a beaucoup chez Mnemos, je trouve. Voilà, c'est bizarre. Hein. Il y a un rôliste. Et voilà. Et puis Raphaël a collaboré sur des anciens jeux qu'on avait publiés à Multisim. Donc, pareil, on se connaît depuis très longtemps. Alors, je l'ai mis un peu dans le désordre, hein, tant pis. Je vais faire une petite vignette qui arrive. Donc là, ça, c'est un classique. Voilà. L'œuf du dragon, vous. Robert. Alors, ce n'est pas un livre de fantasy, contrairement à ce que le titre pourrait vous faire croire. Non, l'œuf du dragon, qu'est-ce que c'est ? Ça retourne le cerveau. Voilà, c'est ça. Ça fait partie de ces livres extraordinaires que la science-fiction est seule, à mon sens. Hein. Seul genre capable de nous proposer en littérature, dans lequel il y a à la fois un sense of wonder, comme on dit, un sens de l'émerveillement provoqué par les idées scientifiques qui sont poussées jusqu'au bout. Et dans l'œuf du dragon, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une étoile à neutrons qui se trouve dans la constellation du dragon, donc d'où le nom l'œuf du dragon. Et les humains s'aperçoivent que cette étoile à neutrons, eh bien, elle est habitée. Il y a une vie qui s'est réussi à se développer dessus. Mais comme l'étoile à neutrons, vous savez, c'est une étoile qui tourne très très vite, qui a un cycle extrêmement rapide, le cycle de développement et de vie est lui aussi extrêmement rapide. Donc les civilisations et les cultures émergent en ce qui serait pour nous quelques heures, disparaissent, remontent, progressent, etc. Donc, comment les humains vont pouvoir communiquer avec ces étranges habitants qui vivent là et comment ces habitants vont pouvoir communiquer avec les humains. Donc, c'est à la fois un roman qui, effectivement, vous retourne au cerveau par les questions métaphysiques et sociologiques et ethnologiques qu'il vous pose. Et en même temps, il y a une forme de réflexion sur qu'est-ce que c'est la différence, comment on communique. Et en même temps, c'est un roman d'aventure, parce qu'on se dit, mais ils vont y arriver, ils vont pas y arriver, comment ils ont tous des problèmes politiques chez ceux qui habitent, parce qu'on vit des deux côtés, ils ont des problèmes relationnels dans le vaisseau qui orbite autour, et c'est fantastique. Donc, c'est un roman qui n'est plus depuis 35 ans, en fait, ou 40 ans en France, donc on est très heureux de le republier. Oui, là aussi, il était dans cette collection-là avant. Voilà, exactement. Il était chez Ailleurs et Demain, la célèbre couverture argentée. Donc,
y a une, l'attraction a été entièrement révisée par Olivier Béranval, qui présente le roman et en partie ce que c'est, ce qu'on appelle la art science, puisqu'on peut rattacher ce roman. Pour moi, c'est l'un des chefs-d'œuvre de ce qu'on appelle la hard science. Et puis, c'est pas évident de rentrer dans la RDSF quand on n'est pas. Ben justement, voilà, c'est ça. Et c'est, ça, c'est une très, très bonne porte d'entrée parce que l'aventure est très forte dedans. Donc, on peut vraiment juste accrocher par l'histoire. Quoi. Et puis, il y a une. Et on a mis en postface, on a mis une interview de la fille en fait de Forward qui explique plus comment le bouquin a été créé, quelles étaient les intentions, parce que Robert Forward est aussi un scientifique de très haut niveau. Donc, là, parce qu'on connaît que celui-là hein, de lui en France. Hein, en fait, il y en a un autre, s'appelle Le Vol de la Libellule, ah oui. Et puis voilà, et qui est très bien aussi. Et puis, on espère, on verra si celui-là trouve son public, pourquoi pas continuer. Okay. Et puis il y en a d'autres qui sont très très bien aussi, que j'aimerais bien traduire. D'accord. Et sinon, alors je finis pour les nouveautés. Tac tac tac, si je vais sur le bon onglet, c'est mieux. Ah, ça c'est un auteur que j'adore, l'auteur français, déjà depuis l'époque que j'ai lu, et Fleuve Noir, Richard Cadieux. Moi aussi. Oui, oh, je vois que, voilà. Et là, Richard revient de nouveau avec une space opéra magistrale, Crystal Ambra. C'est vraiment c'est très très fort. On suit la désagrégation d'un empire économique, en fait, à la fois dans le virtuel et à la fois dans le réel. Et c'est poétique, politique, comme toujours avec Richard. Ouais. C'est extrêmement humain et extrêmement juste sur qu'est-ce que c'est une société qui vit dans le virtuel. Donc, franchement, un sacré, sacré coup de maître. Mais Richard est un des maîtres de la science-fiction en France. Donc, J'ai l'impression que c'est moi qui dois avoir des frises parce que j'ai l'image qui déconne par moment. C'est bon, non, ça marche bien. Ça va. C'est tout bon ici. Ouais, non, c'est chez moi, donc il n'y a pas de souci. Hop là. Voilà. Et sur Richard Cadenas, je ne sais pas si c'est prévu, je l'avais croisé, on avait un peu papoté aux imaginales, la fameuse trilogie africaine. On a prévu une réédition en intégrale, voilà. Donc maintenant, vous trouvez le bon moment, etc. Mais on l'a prévu. Ouais. Ouais, parce que c'était vraiment voilà, pareil. C'était... Ah, la trilogie africaine, c'est pareil, c'était un choc. Puisqu'en fait, dans cette trilogie-là, Richard est quelqu'un qui a vécu en Afrique, donc il connaît de manière intime le continent. Et dans cette trilogie, elle est à front renversé. À l'époque, c'était vraiment un choc. Puisqu'il imagine une Europe qui est agonisante, l'économie a craché, les Européens sont obligés de s'expatrier en fait et de venir dans une Afrique qui est dynamique, qui connaît une croissance économique très forte et qui s'achemine vers le spatial. Et on suit les traces d'un pauvre détective qui vient de France, qui est paumé avec un chien intelligent à côté de lui. C'est génialissime. C'est génialissime parce qu'on est à front renversé, parce qu'il nous montre justement toute la façon dont l'Europe a l'esprit colonisé. Donc c'est vraiment très très intéressant. C'est très très intéressant. Ouais, puis toucher un petit peu aussi au cyberpunk, à l'anticipation de façon. Complètement. Warner aussi, hein, du coup. Absolument, il y a des touches de cyberpunk dedans. Ouais, c'est très très fort, très très fort. Ça et si alors je vais voir s'il n'y en avait pas. Ah oui, ça c'est les nouveautés de demain, je crois, c'est ça. Alors est-ce que je vais arriver à l'afficher? Parce que chez moi ça déconne. J'ai du mal. Voilà. Alors ça c'est février, pardon. Ça c'est ce qu'on appelle les pépites. C'est donc chaque année, il y a parmi les premiers romans ou les deuxièmes romans qu'on a, il y en a qui nous frappent encore plus et on les propose spécifiquement au mois de février dans ce qu'on appelle les pépites de l'imaginaire. Donc nos copains d'ActuSF le font aussi et quand les moutons en trouvent, ils le font avec nous aussi. Moutons électriques. Quand je dis moutons, c'est les moutons électriques. Alors Néguian. Je peux vous dire que c'est plus qu'un coup de cœur, c'était un coup de foudre sur ce bouquin. Ça a été vraiment, vraiment incroyable pour un premier roman, avec un style très très fort. Elle nous raconte l'épopée d'une presque kamikaze, en fait, jusqu'au boutiste, d'une combattante hors pair dont la mission va être essayer d'empêcher la guerre.
entre les différentes populations et les peuples qui peuplent cet empire. Et on est donc dans un thème particulièrement actuel. C'est comment sauver la paix et jusqu'où je peux me sacrifier pour que la guerre n'advienne pas. Donc, au niveau narratif, au niveau stylistique, c'est carrément très très fort. Ah bah si on perd notre animateur, ça va pas aller. Oui, on a perdu Fred. Ne vous inquiétez pas, nous contrôlons parfaitement la situation. Peut-être. Peut-être ou pas. Pas. Bon, peut-être embrayer sur, en attendant que Fred revienne, parler de John Brunner, peut-être. Mais tout à fait. Voilà. Oui. Je regarde rapidement. Oui, non. Non, il est là, il ne revient pas. Il va revenir. Bon. Oh, c'est le live, vous savez ce que c'est. Ouais, absolument. Ouais. C'est ça. Alors, John Brunner. Bon, puisque c'était voilà, c'est le cœur de notre de ce live. Mission, voilà. Voilà, c'est donc, notre mission, exactement. Et on l'a accepté exactement. Avec grand bonheur. John Brunner, c'est un écrivain anglais avant tout. Mais je vais laisser Patrick peut-être présenter l'auteur. Tu le connais bien mieux que moi. Oh ben ouais, d'accord. Donc Brunner, c'est un auteur anglais. Et qui est, mais qui, dont la carrière était un peu entre la Grande-Bretagne et les États-Unis justement. Enfin, c'est quelqu'un qui a eu une carrière toujours entre deux choses. Il était entre la science-fiction anglaise un peu classique des années 50 et puis la science-fiction vraiment révolutionnaire, avant-gardiste de la New Wave, années 60-70. Il était entre la Grande-Bretagne et les États-Unis parce qu'il a surtout publié chez des éditeurs américains et il visait un public américain, d'où son goût pour le space opéra notamment. Et puis il y avait aussi quelque chose de... Il se positionnait aussi de manière un peu ambiguë entre la science-fiction, y compris la science-fiction la plus alimentaire, hein, et la littérature expérimentale, avant-gardiste, la plus poussée en fait, la plus difficile. Mais c'est quelqu'un qui a publié énormément de romans. Je pense qu'il y a, je sais plus, il y a des dizaines et des dizaines de romans de John Brunner. J'ai envie de dire une centaine de romans, mais c'est quelque chose comme ça. Je crois que c'est 80, je crois, 70-80 romans, ouais. Je crois. Non, c'est oui, ça, quand même, ouais, on est d'une sacrée production. Ouais, et dans beaucoup de genres différents, parce qu'il est connu comme auteur de science-fiction, mais il a touché un petit peu à tout. Il a fait du roman policier, de l'espionnage, du roman à l'eau de rose, du roman érotique aussi, et puis énormément de science-fiction. Il a commencé très tôt, fin des années 50, puisque je crois qu'il est né en 1934, donc il était très jeune, il a une année quand il a commencé. Et sa carrière a traversé les années 60, 70, 80. Il est décédé en 95. Il est surtout connu aujourd'hui, quand on pense à John Brunner aujourd'hui, sur son apport à la science-fiction, on pense à ses romans d'anticipation immédiate, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle souvent la tétralogie noire, qui a été publiée en intégrale chez Mnemos. C'était 2019, Fred, c'est ça ? C'est ça, ouais, c'est ça. Elle est là. Voilà. Elle est ici, vous pouvez la voir. Voilà. Et la tétralogie noire, si on lit quelque chose de Brunner, on lit ça généralement. Donc, c'est quatre romans qu'il a écrits fin des années 60, début des années 70. Et c'est donc Tous à Zanzibar. L'orbite déchiquetée. L'orbite déchiquetée. Voilà. Le troupeau aveugle. Aveugle, c'est ça, c'est celui-là. Voilà, c'est ça. Et tu l'avais en anglais, hein, et sur l'onde du choc. C'est ça. Donc, quatre romans qui sont très innovants parce qu'il fait vraiment de l'anticipation immédiate. Ça se situe au début du 21e siècle, en fait. Moi, je me souviens, j'ai lu le premier, Tous à Zanzibar. Je l'ai lu à peu près l'année où il est censé se dérouler. Ça doit être 2010. Et c'est l'année où je l'ai découvert. Donc, c'était assez rigolo de le lire depuis notre vrai 2010. Donc juste quelques décennies dans le futur et en se fondant vraiment sur de la spéculation, pas forcément scientifique tant que ça, mais anthropologique, sociologique, politique, en regardant le potentiel catastrophique de la civilisation, du capitalisme finissant et où ça nous mène, et en se focalisant sur un thème dans chaque roman. Donc Tous à Zanzibar, c'est sur la surpopulation et les conflits nord-sud.
L'orbite déchiquetée, c'est sur le racisme, mais aussi le lobby militaro-industriel aux États-Unis. Le troupeau aveugle, c'est sur la pollution et le changement climatique. Et puis, sur l'onde de choc, c'est plus sur la société de surveillance. Il anticipe Internet, il anticipe... Oui, c'est ça. Sur l'onde de choc, il anticipe la société actuelle contrôlée par les ordinateurs et la matrice. Et contrôlé aussi par les grosses entreprises privées. Et contrôlé par les entreprises privées qui s'occupent de ça, ouais. Okay. Et il anticipe beaucoup le cyberpunk aussi, non, sur l'onde de choc. Ça, avant, absolument. C'est un proto-cyberpunk. Pour moi, c'est un des premiers. Ouais. C'est ça, exactement. Parce que le héros est une espèce de hacker qui va dans la matrice, quoi, et qui combat les méga-corporations. Ça est revenu. Oui, désolé. Il y a tout signé à friser et l'ordi a redémarré. C'était magnifique. C'est parfait. Enfin, ah ouais. Ça fait du bien. C'est vrai, je me dis, tiens, c'est bizarre, je vous vois tous en train de pixeliser, puis d'un coup... Je crois qu'on peut dire que tous à Zanzibar, enfin, quand ces quatre romans qu'il a produits entre les années, si ce sont bons, entre 71 et 75, ou 76, hein, je crois que c'est dans ces... 68, c'est ça, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et ça a été un choc, hein. Ça a été un choc pour l'ensemble de la science-fiction mondiale, parce que... non seulement les thèmes, comme Patrick vient très bien les résumer, ont frappé par leur justesse et par leur comme lanceur d'alerte, hein, je crois qu'on peut le dire comme ça. Il a utilisé le roman comme une façon de dire à ses lecteurs et attention, regardez le monde vers lequel on va. Et il faut dire aujourd'hui, notre trilogie a eu beaucoup de succès. On a fait 3 tirages, elle est épuisée, on va la retirer, etc. Mais parce que les lecteurs ont retrouvé de manière assez incroyable le monde dans lequel on est actuellement et la dystopie vers laquelle on se dirige. Et ça, c'est très très fort. Mais aussi pour son style. C'est ça très, très intéressant, c'est que John Brunner, sur cette partie-là de sa carrière, a fait une recherche et développement en style pour la science-fiction. Et il a collé dedans. Quand on lit les livres, c'est absolument incroyable. Il y a des chapitres qui font un mot, etc. Il y a des collages d'actu, de documents. Donc il y a une forme de véracité aussi qui est très 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 prégnante dans ces textes, et ils sont marquants pour ça. La science-fiction nous avait pas habitués. La science-fiction de l'époque nous habituait pas à ça, quoi. Donc il a fait faire un bond très important à beaucoup d'auteurs et à la façon dont on écrivait la science-fiction. Il a changé radicalement les choses. C'est complètement expérimental. Celui-là, c'est vraiment le plus expérimental. C'est le plus dur, je dirais, à rentrer dedans. Mais alors, quel claque. Parce que c'est du collage de plusieurs morceaux, façon en fait. Ouais, c'est ça. Et ce côté, ce côté pluriel qu'il a, je dirais, en partie copié sur certains écrivains américains des années 30. Hein, il n'y a pas tout inventé, mais on pense à John Dos Passos ou des gens comme ça. Mais quand même, c'est-à-dire que dans la science-fiction, c'était une révolution et ça a marqué tout le monde. C'était une claque. Hein. Même dans les années 80, quand j'ai découvert, c'était pareil. Quoi. C'était une claque. Et même encore en lisant, et même encore aujourd'hui en lisant, ça a une force d'écriture, de style qui est vraiment, vraiment incroyable. Donc, je vous engage à lire ces textes parce qu'ils sont, sur tous les thèmes que tu as développés, ils donnent vraiment un électrochoc. Quoi. Oui. Et à l'époque, je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, je crois que c'était un autre écrivain. C'est Michel Jury ou Richard Combal. Il faudrait que les hommes politiques. Non, c'est un Américain qui disait qu'il faudrait que les hommes politiques, les secrétaires, les directeurs de cabinet à Washington lisent ces livres. Ça leur ferait peut-être voir le monde de manière différente. Quoi. Et c'est ça aussi, ce côté prospectif, mais romancé, qui est vraiment très très fort dans la tétralogie noire. J'ai vu passer une question sur le. Sur le chat, sur les commentaires, il posait la question sur la masse de la masse de space opéra par rapport au reste. Ben, c'est compliqué à savoir. C'est ça. Il a fait beaucoup de space opéra. Tout le temps, toute sa vie, Voilà. Parce qu'il aime ça.
Il écrit tout le temps, en fait. Il est toujours en train d'écrire. C'est un peu ce genre de bouquin. On va dire que c'est ce qu'ils appelaient l'alimentaire, quoi. Parce que quand il publiait les quatre romans de la tétralogie noire, c'est des trucs qu'il a fignolés, sur lesquels il a passé des mois et des mois. Hein. C'est vraiment des romans dans lesquels il a investi toute son énergie d'écrivain et tous ses efforts. Mais pendant ce temps-là, il va publier une demi-douzaine de space opéras, en fait, entre chaque roman, quoi. Donc, de manière très rapide, il connaît toutes les et qui maîtrise à fond le genre. Et toute sa vie, du début à la fin, il y a toujours en permanence des space opéras de Brunner. C'est le genre auquel il est resté le plus fidèle, quoi. Et d'ailleurs, son dernier roman est un space opéra mélancolique, puisqu'il s'agit... Il n'est pas extraordinaire, il était déjà très vieux à l'époque quand il écrit ce roman. Et il s'agit d'un vaisseau-monde, d'une arche stellaire, et qui va récupérer une partie de son équipage sur chacune des planètes qu'il côtoie. Et donc, on suit, en fait, chaque chapitre, c'est un nouvel arrivant dans l'équipage, donc une humanité qui s'est adaptée, transformée sur chaque planète, et elle monte dans le vaisseau, il y a des problèmes dans le vaisseau, etc. Bon, le bouquin n'est pas ficelé, mais c'est très touchant de voir ce dernier chant du cygne, cet dernier hommage que John Brunner a rendu au space opéra, qui est le sous-genre qu'il a toujours exploré depuis le début de sa carrière, en fait. Alors, si vous arrivez à les trouver, vous les trouvez sûrement en occasion pour vraiment pas cher, c'est dans la ancienne collection Galaxy Bis Opta et Super Light, je suis presque de la cité. Là, vous en trouvez quelques-uns. C'est vraiment les Space Op. C'est pas les meilleurs de Brunner, mais comparé à la masse de ce qui était produit, ça reste déjà du bon, clairement. Absolument. Quand même. Et c'est vrai que sur Brunner, après, la trilogie noire, ça montre aussi qu'il était très, très observateur de la société, qu'il s'enseignait beaucoup. Et je sais qu'il faisait partie d'un club aussi, Patrick, je ne sais pas si tu peux confirmer un petit peu avec qui il écrivait, mais... Bah, il a milité, lui, il était pacifiste. Dans les mouvements contre la prolifération nucléaire, notamment. Absolument, voilà. Il est très engagé là-dedans, oui. Il a été très logique noir, ouais, pardon, excuse-moi. Non, pardon. Non, je disais juste politiquement, il était très proche du socialisme et de nucléarisation, et c'est quelqu'un de très engagé. Et du coup, dans la tétralogie noire, donc ces quatre romans, alors moi j'ai pas l'intégrale de Nemos, mais les quatre romans, donc l'orbite déchiquetée, lui c'est plutôt les problèmes ratios, clairement. Et voilà, c'est bon, on est en plein dedans, hein, malheureusement. L'onde de choc, c'est le dernier, alors il est de 75, mais c'est les problèmes informatiques, les réseaux. Ouais. C'est incroyable de voir ce qu'il avait déjà prévu en 75. C'est pareil, c'est sur les thèmes de contrôle, d'asservissement, enfin bon, c'est... Voilà. Et bon, tout ça Zanzibar, je trouve que c'est vraiment... C'est celui qui a eu le plus de prix, mais c'est un monument. Formellement, c'est le plus ambitieux des quatre. C'est là où il essaye la technique différente, en fait, dans tout ça Zanzibar. Avec le super ordinateur Shalman Ezer. Donc c'est voilà. Alors celui-là, comme je vous disais, hein, si vous avez l'habitude de lire des récits construits, liés assez linéaires et tout, il va vraiment vous surprendre. Moi, jusqu'à l'époque, j'ai fait deux bonnes baffes, hein, aller-retour. Et c'est voilà, c'est du collage de plusieurs récits et en fait, au bout d'un moment, ça s'imbrique les uns dans les autres. Celui-là, c'est la surpopulation. Donc les tueries de masse qu'il y a aux États-Unis et autres, c'est les amok. Hein, c'est le terme qu'il emploie dans le roman. Ouais, c'est ça, exactement. Qui vient d'Indonésie, je crois. Ouais, c'est ça. Oui, c'est les gens qui pètent un plomb parce qu'il y a trop de monde et puis voilà, ils massacrent des gens. Ouais. Donc, effrayant. Et le pire du pire, c'est celui-là, quoi. Le tout poids aveugle, ouais. Pour nous, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est celui qui a le plus de résonance puisqu'on y est dedans, quoi, à fond. C'est plus douloureux, ouais, sur le changement climatique, ouais. C'est l'écologie, celui-là. Et, celui-là, il est redoutable parce que il nous fait prendre conscience que depuis 50 ans, en fait, des écrivains avaient déjà vu ce qui est en train de nous arriver. Donc, il avait mis en scène. Il y avait déjà eu le cercle de Rome et pas mal de gens qui avaient déjà pensé l'écologie, mais il y a tout, hein, le biocide, les problèmes d'eau, etc. Et puis le petit incendie qu'on voit à un moment donné, je crois que c'est sur la fin. Hein, c'est ça, exactement. Ouais. Celui-là, c'est le plus effrayant. C'est le plus effrayant des incendies que j'ai lu en littérature, c'est celui-là qui clôture le roman. Je vous le conseille. Le troupeau aveugle, voilà, si vous voulez bien vous casser le moral ou avoir un regard lucide et... C'est plutôt ça. Moi, je pense que c'est ça qui est très intéressant dans sa littérature, c'est que c'est une littérature de lucidité. Et d'ailleurs, dans cette espèce opéra, on l'a aussi. Hein, donc,
Mais c'est ce que je disais dans la préface de la tétralogie noire chez Mnemos, c'est que c'est un auteur, c'est pas un auteur post-apocalyptique ou un auteur catastrophiste, c'est un auteur de la pré-catastrophe. Donc il montre, il tire une sonnette d'alarme à chaque fois, qui est extrêmement urgente, mais il y a toujours une possibilité de solution, de résolution, qui est parfois extrêmement ténue, mais c'est quelqu'un qui veut pousser à l'action. En fait. Il n'est pas dans le pessimisme radical ou dans le nihilisme. Ou même dans l'esthétisme de la chute, hein, comme on peut avoir dans les séries zombies ou des choses comme ça, qui sont une mise en scène esthétisante, à la limite pornographique au sens réel du terme, de la chute, de la destruction. Et au contraire, c'est cette forme de lucidité qui est très très intéressante chez John Brunner. C'est peut-être pour ça qu'il marque autant. Enfin, c'est pour ça que oui, je pense, absolument. Absolument, tu as tout à fait raison, c'est pour ça qu'il marque autant. On n'oublie pas un bouquin de John Brunner, un bon bouquin de John Brunner, on n'oublie pas. Voilà. Et il y en a plein. C'était années 80, ouais, fin 80, ouais, 90, quand je les ai découverts. Et... Je m'en souviens encore, hein. Pourtant je ne l'ai pas relu depuis plus de 25 ans, mais je serais encore capable de citer des passages dedans. Quoi. Donc, ça, c'est le creuset du temps, pardon. Donc, ça, c'est les autres. Ça aussi, c'est bien, c'est le creuset du temps, c'est pareil, c'est parti des bouquins, j'aimerais bien republier ça. Voilà, ça c'est pour la tétralogie noire, mais bah, du coup, si on peut présenter bah, les textes qui sont dans les planétaires. Ah bah oui, bien sûr. J'en ai quelques-uns, hein, je crois que ces deux-là en font partie. Hein. C'est ça, absolument. Ouais. Bah, je vous laisse présenter les textes. Les planétaires, c'est vraiment, finalement, c'est une intégrale qui reflète vraiment le cœur de la production de John Brunner, en fait, plutôt que les romans qu'on connaît le mieux de lui, c'est des blagues entre le Bordelais et le Bourgogne. D'accord. On réglera ça un de ces jours. J'ai grandi à... Mais ouais, donc c'est la tétralogie noire, c'est ce qui est le plus connu de Brunner, mais là le volume des planétaires, c'est vraiment le cœur de sa production, donc le space opéra, et c'est vraiment les meilleurs romans de space opéra, avec une sélection qui couvre un peu toute sa carrière, justement. Donc il y a 8 romans dans le volume, j'ai passé des mois et des mois à l'éditer, et j'oublie le nombre de romans dedans, mais bon. C'est ça. Et donc ça va. Alors on a agencé les romans d'une manière qui essaye de créer une sorte de fil progressif sur l'expansion de l'humanité dans la galaxie, en fait. Mais la chronologie elle-même des romans, ça va du début des années 60, quand il est vraiment jeune écrivain, et qui est un truc un peu pulp, quoi, pour le public américain, jusqu'aux années 80. Non, le plus tardif, c'est Eclipse Totale. C'est... Ouais. 14, ouais, pardon. Il est dans une attitude beaucoup plus sur l'espoir de space opéra. Mais en gros, c'est des romans qui prennent le modèle. Je disais au début que John Brunner, il était un peu le cul entre deux chaises entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. C'est un auteur britannique, mais qui aspirait à avoir un public américain, parce que ce qu'il voulait, c'était le succès matériel. Hein. Il le disait très franchement. Même il y a un article célèbre qu'il a écrit pour, je crois, la revue Locus, où il parle de son revenu d'écrivain, en fait. Ouais, il gagne pas assez, il aurait gagné plus. Et ce qu'il voulait, c'était percer du coup sur le marché américain, qui était toujours difficile pour lui parce qu'il avait cette sensibilité d'auteur britannique plutôt pessimiste, plutôt mélancolique, en fait, plutôt post-colonial, post-impérial, où il était dans des logiques civilisationnelles plutôt pessimistes. Voilà. Et ça, le public américain voulait au contraire à cette époque des choses vraiment optimistes. C'était l'époque de la course vers l'espace, tout ça. Donc, ouais. Et donc il prend le canevas du space opéra américain, la conquête galactique, etc. Mais il le fait à sa manière. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est pas vraiment l'expansion en elle-même, c'est le résultat de l'expansion. Donc c'est pour ça que le volume, on l'a appelé Les Planétaires, parce que chaque roman tourne autour d'une planète, en fait, qui a été colonisée. Et sur les problèmes spécifiques qui vont émerger sur cette planète. Et ça peut aller de, par exemple, une planète où on découvre les ruines d'une civilisation extraterrestre incroyablement ancienne, mais qui est morte. Et des archéologues essaient de comprendre Eclipse Totale, qui est un roman extrêmement...
Les archéologues essayent de comprendre comment cette civilisation est morte, mais eux-mêmes sont dans une course contre la montre parce qu'ils ne sont pas sûrs que les nations terrestres vont continuer à les soutenir et vont même envoyer des navettes pour les récupérer, en fait, pour les ramener sur Terre. Donc ils ne savent pas s'ils ne sont pas juste coincés sur cette planète, et ça va être leur tombeau, en fait. Et ils investiguent eux-mêmes la mort de cette civilisation, donc c'est extrêmement poignant. Ouais, ce que j'allais dire, poignant. Il est très... Moi, c'est un de mes préférés dans ceux qu'on a sélectionnés. Ouais, il est super. Il est super, celui-là. C'est le premier qu'on a mis parce qu'il se situe vraiment dans les années 2020 à peu près. C'est ça. avec un monde extrêmement réaliste, très proche de celui de Tous à Zanzibar d'ailleurs. Je me demande si dans sa tête, Brunner ne les situe pas un peu dans le même univers de fiction en gros, parce que c'est le même genre de problématique. Ensuite, il y a la planète Asile. Donc ça, c'est 74, éclipse totale. La planète Asile, c'est 1968. Où c'est la problématique de est-ce que pour coloniser une nouvelle planète, est-ce qu'il faut devenir autre chose qu'humain, en fait. Est-ce que les humains, quand on n'est plus terrien, est-ce qu'on est toujours la même espèce? Est-ce qu'on ne doit pas foncièrement se transformer, quitte à jouer avec ce qu'on appellerait la folie, quoi, quitte à perdre la rationalité commune, quoi. Il y a Le long labeur du temps, 1965. Lui s'intéresse vraiment au contact avec les civilisations extraterrestres. Il y a pas d'extraterrestres dans ces romans-là. Certains, c'est une expérience purement humaine. Là, l'on a plusieurs espèces extraterrestres et il y a surtout des colonies terrestres sur deux planètes qui sont en train de prendre leur indépendance et de devenir. Des États-Unis qui deviennent indépendants de la Grande-Bretagne, en fait. Donc la Terre se demande est-ce qu'on est en train de sortir du cours de l'histoire, en fait. Est-ce qu'on est en train de devenir une planète. Et il y a en même temps une perspective galactique que je ne veux pas spoiler, mais qui explique un peu le titre aussi, que peut-être qu'on est tous provinciaux finalement dans la galaxie. Ensuite, les trois autres romans, c'est une petite trilogie, parce que les romans ne sont pas forcément connectés, ils ne sont pas forcément tous dans le même situation. Ils décrivent une sorte de progression lente vers l'expansion galactique, mais ils ne sont pas littéralement dans le même univers. Mais la petite trilogie des réfugiés de Zarathustra, oui, pour le coup. C'est trois romans qui racontent une histoire un peu continue, dans un même univers, une même expansion galactique. Les Vengeurs de Karig, Polymath et les Réparateurs de Cyclops. Là, c'est vraiment l'expansion galactique qui s'est faite. Il y a un empire galactique, si on veut, une république galactique, si on préfère, disons une vaste civilisation humaine, mais qui est tellement éclatée qu'elle est extrêmement lente, extrêmement administrative, bureaucratique. Et surtout, il y a une planète qui est Zarathustra, qui a été détruite il y a 7 siècles par son étoile qui est devenue une supernova. Et en fait, il y a des vaisseaux de réfugiés qui ont quitté Zarathustra à ce moment-là, qui ont réussi à fuir la supernova et qui ont échoué sur des planètes inconnues et où les colons sur les vaisseaux ont dû repeupler ces planètes inconnues mais sont retournés un peu à l'âge de pierre, en fait. Et ont progressivement oublié qu'ils venaient d'une civilisation galactique. Et donc, l'Empire galactique lui-même est conscient de l'existence de ces planètes, qui s'appellent les planètes de réfugiés de Zarathustra, et ils ont une politique de non-ingérence, de laisser ces planètes se développer toutes seules, jusqu'à ce qu'elles puissent... Reviennent, voilà. Voilà, c'est ça, découvrir un peu les communications interplanétaires, et puis le voyage interplanétaire, pour qu'elles puissent... mais il y a aussi l'idée que ces planètes-là, même si elles sont moins développées, entre guillemets, d'un point de vue technologique, elles peuvent redécouvrir des vérités essentielles sur l'humanité, sur ce qui nous pousse, sur ce qui nous rend vivants, en fait. Que l'Empire Galactique a peut-être oublié, parce que lui, il est un peu dans un stade de paralysie terminale, un peu. Mais en même temps, il y a des acteurs mal intentionnés qui veulent faire de l'ingérence dans ces planètes, souvent pour les exploiter. Donc c'est hyper intéressant sur le colonialisme, sur les rapports Nord-Sud, sur les questions d'exploitation coloniale, capitaliste, les questions de développement. Qu'est-ce que c'est que le développement? Est-ce que le développement va dans une seule direction ou est-ce qu'il y a différentes possibilités de développement civilisationnel? Donc c'est trois romans de jeunesse, en fait, 62, 63. Mais qui sont passionnants. Ouais, mais c'est vraiment des romans d'aventure en plus. C'est vraiment c'est vraiment des romans d'aventure. C'est de l'anti-Star Trek pour moi. Laser, il y a des agents galactiques, tout ça. C'est vrai que c'est l'anti-Star Trek. Ouais, parce qu'il y a l'anti-Star Trek. Ouais. T'as raison. Il y a un excellent background de jeu de rôle, je peux vous dire. C'est ce que j'allais dire, parce que Polymath, c'est le seul qui avait été traduit. Hein.
à l'époque, et d'ailleurs, oui, c'était très, Patrick très a sympa, traduit quoi. les deux autres. Patrick a traduit les deux Ouais. autres Donc, c'est inédit, quoi. Ils sont vraiment très, très intéressants et peut-être plus intéressants que Polymath. J'aime bien Polymath aussi, mais Polymath qui a un récit de survie en fait. Mais il se passe au tout début quand les réfugiés arrivent. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Mais ça ferait un excellent background de jeu de rôle. Ouais. Un très, très bon background de jeu de rôle. Ouais. Et pareil, hein, bah, en jeu de rôle, parce que Eclipse Total, je pense que ça ferait un huis clos vraiment absolument fabuleux. Et c'est vrai qu'on en discutait en off avant qu'on prenne l'antenne. Donc avant celui-là, en 74, il y a celui-ci de 72, à l'écoute des étoiles. Oui. Et c'est à peu près le même thème. Hein. C'est-à-dire que là, au lieu d'aller sur une planète, on entend, voilà. On entend une autre civilisation. Et puis ça s'arrête. Et là, on se pose des Alors, questions on a sur ce qui s'est hésité, passé. hein, avec Patrick, Ouais. on a hésité de le mettre dans C'est vraiment la même dans thématique, ouais. notre omnibus. Mais bon, après, il y a une question de dimension aussi, de fabrication. Il faut faire des choix. Mais notre volonté, c'était vraiment de proposer cette sorte d'anti-space opéra que Brunner a fait et que Patrick a très bien expliqué. Le développement, le voyage l'intéresse pas, le côté américain, conquête de l'espace, etc. Ce qui l'intéresse, c'est le résultat. Ce qui l'intéresse, c'est les défis et les dangers une fois trouvés et installés. Et dans celui-là, on reste sur la Terre. Donc, on s'est dit, bon, on a failli le mettre, mais on n'a pas mis au dernier. Ouais. C'est ça. Puis ensuite, les deux derniers volumes, c'est alors, les Dissidents d'Azrael. Personnellement, je crois que c'était mon préféré. Ah, mais Euh, j'adore c'est pas celui-là, du tout il est celui-là. génial. Il est hyper philosophique parce que, Ouais. alors lui, une expansion galactique globale avec un système hyper développé de ponts galactiques qui sont des sortes de trous de ver en fait qui connectent différentes planètes. Donc il y a une sorte de vaste monde central qui connecte toutes les planètes de la civilisation humaine. Et là aussi il y a ce problème de phase terminale, de fatigue, de tourner en rond. Le problème, c'est qu'il y a une planète qui est Azrael, qui est parce que l'humanité essaye de recontacter certaines planètes qui sont un peu parties, qui ont été un peu marginalisées pendant la phase d'expansion, et les ramener dans ce grand réseau intergalactique. Mais la planète Azrael refuse en fait d'entrer dans ce qui semble être cette espèce d'idéal civilisationnel. Elle refuse et elle refuse un peu de dire pourquoi elle refuse. Galactique dominante, parce que c'est comment est-ce qu'on peut refuser ce qui semble être un bien objectif, qui est la prospérité incroyable offerte par cette civilisation galactique. Pourquoi est-ce qu'Azrael refuse? Et c'est un roman hyper philosophique où les personnages passent le plus clair de leur temps à débattre, en fait. Ouais. Et ça montre comment des problèmes philosophiques peuvent devenir existentiels, en fait. Parce que Ouais, il y a le problème de est-ce que ça remet en cause tout le projet galactique et qu'est-ce qu'on fait si le projet galactique est remis en cause? La seule solution, c'est d'éteindre la lumière, en fait. C'est extrêmement dramatique sur une problématique qui est purement conceptuelle, en fait. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit physique, il n'y a pas de péril concret. C'est purement du débat philosophique, mais qui peut avoir une conséquence catastrophique. Et puis le dernier roman, c'est Dramaturge Yann, très chouette aussi. Là, qui réintroduit une civilisation. Et là, dans les Dramaturges de Yann, c'est une planète. C'est un peu le miroir d'Éclipse Totale au début. Ouais, D'accord. exactement. Voilà, où la civilisation existe encore, mais elle a décidé de plus s'étendre, de plus être dans une logique d'expansion et de développement depuis des millénaires. Il y avait une époque où donc Yann était dominée par les dramaturges, qui étaient des sortes d'architectes galactiques absolument géniaux, avec une technologie beaucoup plus développée que ce que connaissent les humains. Et puis un jour, ils ont décidé de s'arrêter, juste de plier bagage et de stagner complètement d'un point de vue civilisationnel, de plus jamais évoluer. Et la question, c'est pourquoi? Et on essaie de comprendre pourquoi. Et en même temps, il y a un humain, un artiste humain qui veut reproduire ou redémarrer le projet des dramaturges. Mais comme personne ne sait ce que c'était que ce projet, il y a de l'inquiétude derrière. Et donc le secret du roman, c'est qu'est-ce que c'était que les dramaturges, que faisait Yann, comment fonctionnait Yann et pourquoi est-ce que peut-être c'est une très mauvaise idée d'essayer de replonger dans ce passé enfoui. Mais c'est génial parce que
roman qui pose aussi la question de pourquoi chercher le développement à tout prix, en fait. Pourquoi, pourquoi penser la civilisation purement sur le mode du progrès, entre guillemets, de l'expansion permanente, du développement permanent, de la croissance permanente, en fait. Et donc, c'est une façon super intéressante de contester des trucs qui nous paraissent évidence en fait dans nos sociétés occidentales, et Brunner fait ça très très bien, et il le fait dans les années 60-70 d'une manière qui aujourd'hui est presque encore plus urgente aujourd'hui, en fait, et c'est parfois c'est désespérant. Brunner aujourd'hui, on se dit c'est exactement ça, c'était déjà écrit il y a 40-50 ans, c'est clair ça. Voilà. c'est encore plus fort aujourd'hui, c'est pour ça que tu nous demandais, mais pourquoi lire ou relire Brunner aujourd'hui? Parce qu'il est d'une actualité brûlante, en fait. Ouais. Parce que lorsqu'on lit ces textes qu'on peut voir comme des paraboles ou des messages ou des avertissements ou comme un lanceur d'alerte, c'est encore plus brûlant. C'est-à-dire qu'on a besoin d'auteurs comme ça qui nous mettent justement devant les faits, devant ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on n'arrive pas à voir parce que soit on est conditionné, parce qu'on n'a pas envie, etc. Et ça, Brunner... Je crois que Brunner, c'est vraiment quelqu'un, si un terme, c'est intelligence, au sens réel du terme. C'est vraiment, je comprends je vais essayer de vous asséner, mais par sa finesse, par sa façon de construire les histoires des personnages, il nous fait aller plus loin dans notre tête. Et je crois que Brunner, c'est un de ses talents. C'est vrai que en discutant de la façon dont tu présentais, par exemple, les dramaturges de Yann, c'est une sorte d'anti-Zelazny, en fait. C'est-à-dire que Zelazny, il y a une forme de poésie, mais il est toujours dans ces gens un peu dingues qui construisent des mondes. Voilà. Et Brunner, il va plus loin. Il dit, mais ouais, ok, d'accord, c'est marrant votre truc, là, c'est complètement dingue. Mais et en fait, et si on le faisait pas, et si on devait pas le faire, et si on n'aurait pas dû le faire, et ça c'est très fort, c'est-à-dire qu'il est toujours, c'est le coup d'après. Brunner, il pense le coup d'après de l'anticipation ou de la science-fiction. C'est ça qui est très fort, je dis. Et je pense que c'est ça qui lui a joué toujours souvent d'un point de vue commercial, en fait. C'est parce que il était hyper imaginatif. C'est-à-dire dans chacun de ses romans, il y a plein d'idées. C'est vraiment ça fuse. Mais c'est un auteur inquiet, en fait. Donc, il voit toujours le problème derrière ses idées, en fait. Et c'est ça qui l'intéresse plus, c'est de poser un problème. Il ne donne jamais de solution. Il y a une résolution à l'histoire, en fait, à la fin de chaque roman, mais le problème existe, quoi. Il reste là et il adore exposer les problèmes et pas les résoudre. Et ça, c'est sûr que d'un point de vue commercial, il n'y a pas le côté feel good dans ses romans qu'on pourrait avoir. C'est clair. C'est l'inquiétude. C'est juste toujours inquiet, puis il transmet l'inquiétude. C'est un angoissé. Et quand on le lit, on se dit, ouais, il a raison d'être angoissé. C'est ça, voilà. C'est ça. Il a eu raison. Et puis, c'est un héritier aussi, quand même, des grands auteurs anglais post-apo aussi. Hein. Oui. J'en passe les meilleurs. Donc, voilà, il y a aussi tout ce poids-là derrière. Et c'est vrai que ces trois-là, moi, j'y retrouve. Alors, ça peut faire sourire, mais c'est vrai que le côté on s'étend et puis. Puis derrière, il y a ce mouvement de stagnation ou de recul. Ça m'a fait penser à du Albator, dont le dernier animé est sorti, le film là, qui est sur Netflix. Ouais. Et pareil, où l'humanité s'étend, et puis il y a la régression complète. Et c'est des thèmes qu'on retrouve clairement chez Brunner, quels que soient ses romans d'ailleurs, hein, d'interroger ça à chaque fois. Quoi. Et c'est vrai que si on fait le parallèle avec du jeu de rôle, si vous avez envie de vous amuser à avoir des univers qui sortent du lot, il y a de quoi faire avec Brunner, quoi. Et puis c'est aussi un précurseur du cyberpunk, hein, clairement. Ah oui. Complètement. Voilà. Ben oui, parce qu'il y a cette inquiétude politique de l'emprise de la technologie. Donc, et c'est sûr que dans la tétralogie noire, et en particulier sur l'homme de choc, il est pour moi l'un des grands précurseurs du cyberpunk. C'est la tétralogie noire, c'était l'irruption de la politique dans la science-fiction. C'est vraiment ça. Je vous fais rentrer la politique là maintenant, toute la politique de maintenant. Quoi. C'est les affrontements racistes qui déchirent un pays. Et c'est vrai que les États-Unis qu'ils décrivent, alors c'est pas exactement les États-Unis trumpiennes tels que on les a connus, mais il y a de ça. Hein, un pays fracturé en deux, très durement, les partis se parlent plus, il y a une guerre civile qui se met en place. C'est quelque chose que l'on qui est encore très impressionnant de justesse, encore une fois. Ouais. C'est ce qui est le plus chose comme tout ça, Zanzibar, dans la tétralogie noire en général aussi, c'est quand il prédit des trucs
qui nous paraissent des évidences et on ne se rend pas compte que c'était de la science-fiction du coup quand on le relit. Moi, j'ai... Ouais, c'est ça. Ouais, ce qui m'a toujours frappé dans tout ça Zanzibar, c'est le fait que plus personne ne fume de tabac. et tu lis le roman et tu vois que très peu de gens fument et puis et t'oublies qu'en fait c'est de la science-fiction en 1968. Non, t'as raison. Donc tous les romans de SF de l'époque, tout le monde fume. Donc voilà. La pipe. mais aussi, aussi le progrès sur les questions d'intégration raciale aux États-Unis. Et c'est vrai qu'on a vu dans les dernières années énormément de tensions sur les groupes marginalisés aux États-Unis. Mais par exemple, il y a un des protagonistes de tout ça, Zanzibar, qui est noir, qui est afro-américain. Et pour un lecteur d'aujourd'hui, de 2023, on se dit « ouais, normal ». Mais en 1968, c'était extrêmement, extrêmement novateur quoi, de mettre. Ils sont sur un pied d'égalité, les deux protagonistes. Il y en a un qui est blanc et un qui est noir. Ils sont tous les deux aussi... Il y a un auteur qu'on peut rapprocher de... Moi, je trouve, c'est Spinrad. Il y a un cousinage très fort entre Spinrad et l'approche de Spinrad et l'approche de Brunner. Et c'est des auteurs qui, d'ailleurs, se connaissaient et s'appréciaient et se lisaient. Dans Spinrad est très proche dans ce côté politique, coup de poing. Je vais vous montrer les merdes dans lesquelles on est et je vais les explorer par la science-fiction. En tout cas, une partie de l'œuvre de Spinrad, on peut la reprocher. Quoi. Donc, je trouve Je trouve que ce rapport à Spinrad et l'idée de vouloir représenter le réel dans ce qu'il a de plus urgent et de plus explosé, c'est ce qui, d'un côté, ça rapproche Brunner de la New Wave de la science-fiction. Absolument. Parce qu'il y a ce côté expérimental, ce côté réfléchir différemment au futur, mais en même temps, ça le met un peu à l'écart parce que la New Wave était souvent plus intéressée à des questions psychédéliques, à des questions d'espace intérieur. Voilà, espace intérieur, psychanalyse. Le rapport au réel, est-ce que le réel est réel, quoi, côté voilà. Et Brunner, au contraire, lui, chez Brunner, le réel, il est inévitable. Et il est là, il est dur comme le béton. Voilà, il est incontournable. Incontournable. Donc, les questions un peu mal, genre est-ce que vraiment la réalité existe, ça n'intéresse pas Brunner. Pour lui, oui, la réalité existe et c'est un problème urgent. Et ça, ça le met un peu à part et de manière vraiment intéressante. Ouais, je disais qu'il n'était pas drogué. Non, mais il n'avait pas le temps de se droguer, il écrivait trop. Oui, c'est ça, il n'avait pas le temps de se droguer, quoi, voilà. Et puis c'était après. Cet auteur reprenait de la cocaïne dans les années 80, donc il écrivait un peu avant. Donc... Ouais, c'est ça. Mais je lisais au Sterling, par exemple, on parle de cyberpunk. Absolument. Mais c'est du Sterling et il y a exactement cette approche brunnerienne de spéculation sur le futur géopolitique, en fait. Là où un Gibson va plus sur des thèmes dickiens, Sterling, c'est plus Brunner, effectivement. Oui, un Gibson, pas trop au réel politique, il s'intéresse plus à l'atmosphère du futur. Ouais. Mais Sterling, il s'intéresse vraiment à la spéculation politique fort, quoi. Ouais. Et ça vient de Brunner. Absolument. Donc ça voilà, on brosse un petit peu toutes les thématiques et tout ce qu'on peut trouver dans les planétaires. Donc si ça vous donne des idées, je pense qu'on essaie de brosser au maximum ce que vous pouvez, parce qu'on est des rôlistes, tous en fait. Hein. c'est vrai que c'est des choses qu'on peut réutiliser en plus dans nos parties, si vous voulez rajouter des choses qui ne sont pas courantes. Que ce soit en SF ou clairement en science-fiction quoi. Là vous aurez des thématiques vraiment modernes, ou alors avec la tétralogie noire clairement pour jouer de l'anticipation dystopique, mais aujourd'hui on dit dystopique, à l'époque ça ne disait pas, mais aujourd'hui on dit dystopique. C'est revenu, on va dire. Donc voilà, mais puis, alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai juste eu une petite question de Jean-Marie. Il y a eu quelques petites questions, en effet. Alors oui, c'est très tentant, hein, mais bon, on ne peut pas faire des jeux de rôle sur tout. Il y a beaucoup de nos romans, on aimerait bien en faire des jeux de rôle. On publie, ça c'est certain, c'est clair. Mais c'est vrai que un jeu de rôle de science-fiction qui se fonde sur les réfugiés de Zarathustra, ça me plairait énormément. Donc, mais on peut imaginer une aventure complète, et on n'a pas besoin de faire des suivis, un supplément, machin, etc. On publie juste cette histoire. Je trouve que c'est un background de jeu de rôle vraiment très très fort.
Il y a une tension, il y a quand même ce background de l'Empire Galactique qui est censé être bienveillant, et il y a toutes les inquiétudes et les questions sur effectivement le colonialisme et comment une planète qui a régressé revient, quoi. Si vous connaissez Jorun, ce vieux jeu de rôle, moi j'adore, eh bien, il y a un peu, on pourrait être sur une des planètes, Jorun aurait pu être une de ces planètes-là, quoi. Donc, avec des humains qui sont intégrés sur une planète sur laquelle il y a plein d'aliens. Oui, ben ça fait pas, ça serait génial, mais on peut pas tout faire tout, c'est impossible. Oui. Pour nous, Philippe, c'est pas mal. C'est déjà pas mal, voilà, c'est ça. Voilà. C'est déjà pas mal. Il y avait une question un petit peu avant, encore une fois de Jean-Marie. Voilà, je la remets. C'est quand on parlait de toutes les œuvres. Voilà. De John Brunner. Donc, les publications dont vous parlez comprennent-elles toute son œuvre lorsqu'il a publié sous différents pseudos? Les deux intégrales, c'est juste des romans signés John Brunner. Fred, corrige-moi si j'ai tort, mais ces pseudos, c'est surtout quand il écrivait dans d'autres genres que la science-fiction. Absolument. Par exemple, il a fait une série de romans avec un détective africain, sud-africain, noir, ce qui là aussi était une rareté à l'époque. Et ces romans sont très intéressants d'ailleurs, une sorte de polar sombre qui se passe dans un pays africain inventé, mais inspiré de la Guinée, si je ne me trompe pas. C'est très intéressant, c'est des romans vraiment très intéressants. Il a écrit les romans de jeunesse, il les a écrits souvent sous pseudo. Les romans en gros érotiques aussi, mais comme beaucoup d'écrivains de l'époque quand ils en faisaient. Voilà, c'est tout ce que je connais moi de mon côté. Mais c'est ça, oui. Mais il y a tu parles de l'Afrique, mais il y a un intérêt pour l'Afrique chez Brunner qui aussi est très neuf, très, très innovant à l'époque, parce que dans tout ça, Zanzibar, il y a un pays fictif qui est aussi inspiré de la Guinée. Et puis, l'Afrique du Sud revient dans plusieurs de ses romans comme une espèce de modèle dystopique, justement, vers lequel on peut se diriger, notamment dans l'orbite déchiquetée. Les États-Unis sont devenus plus ou moins un pays plus ou moins ségrégué sur le modèle sud-africain. Alors qu'au contraire, dans certains de ses romans de space opéra, où on voit des gens de plein de nationalités différentes qui collaborent ensemble, on voit que l'Afrique du Sud est devenue un pays progressif et a dépassé son époque sombre, quoi. Il y a d'autres romans de Brunner qu'on peut signaler, que moi j'aime énormément. La ville est un échiquier. Pour moi, qui est probablement l'un de ses deux ou trois chefs-d'œuvre absolus. C'est un très 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 grand roman qui est à la fois un jeu narratif, un jeu littéraire, un jeu dans l'histoire. Ça va donc plaire à tout le public qui aime jouer. C'est une partie d'échecs qui se dont les personnages sont en fait les différents pions qui se passent sur une ville qui se construit comme Brasilia, qui est un néo-urbanisme flamboyant comme on pouvait en connaître dans les années 50 et 60. Et c'est très, très, très fort. Moi, je trouve que c'est un très grand bouquin. Il y a à l'ouest. C'est une vraie partie de l'échec. Oui, ouais, exactement. Basé sur une vraie partie d'échec. Et il y a à l'ouest du temps, moi, que j'aime bien aussi, qui est un roman presque de littérature générale. Il a fait des romans de littérature générale d'ailleurs, absolument. Et il y a un autre roman qui s'appelle, alors où est-ce que je l'ai, j'ai perdu son titre, excusez-moi. Ouais, tu en as parlé tout à l'heure, Fred. Ouais, celui-là, la psychiatrie, elle en prend pour son grade. Ouais, ça voilà, ça c'est un roman anti-psychiatre comme on dit. C'est le creuset du temps. C'est le creuset, du temps. Ouais. Celui-là. Le creuset du temps. Alors là, on est dans une expérience. Presque à l'heure de la Login, puisque on est à l'intérieur d'une société alien, en fait, qui évolue. Et c'est passionnant aussi de se retrouver. Sildeberg a fait aussi une série qui est proche de ça, où on est proche d'un peuple insecte. Et on peut parler aussi d'Heliconia, par exemple. Ah oui, de Aldis. Voilà. De Aldis, où l'on vit la moitié du roman dans une société alien. Et là, c'est pareil. Donc, on est les héros de ces personnages. Ces personnages sont pour nous des xénos
une xénoespèce et on vit l'évolution de cette xénoespèce tout au long du roman. C'est vraiment passionnant. C'est comme si les Ents découvraient les technologies spatiales. Ouais, c'est un peu ça. Voilà, c'est ça. Exactement. Voilà. Voilà, c'est ça, exactement. Et voilà. Moi, il y a par exemple un roman que j'aime beaucoup qui est Un feu sur l'abîme de Werner Winch, où il y a des descriptions dedans de xéno-espèces qui ressemblent très fortement à la façon, tu parlais de ces Ents, dans, je pense d'ailleurs c'est une allusion directe, hein, parce que dans Si mes soeurs sont bons, dans Un feu sur l'abîme, il y a aussi une race d'arbres qui sont dans des sortes de chariots, je crois, Si mes soeurs sont bons. Donc, voilà, mais sa façon de penser les extraterrestres, enfin les non-humains, on va dire, dans Un feu sur l'abîme, ressemble beaucoup à la façon dont Brunner a écrit Les Creusets du Temps. Un de ceux aussi, ça, celui-là, en plus, il ferait un super jeu de rôle contemporain, c'est celui-là. Ah oui, Virus, ouais. Ah là, imaginez que voilà, c'est tous les régimes deviennent totalitaires, bon, quelque part, malheureusement, on y est presque. Et puis d'un coup, vous avez une grosse épidémie qui fout le boxon partout. Hein. C'est une épidémie d'intelligence. C'est le virus d'intelligence. Alors, c'est pareil, ça fait 200 pages. Bon, alors, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de problème de vue comme aujourd'hui. Oui, c'était tout petit. C'est ça. Et tout, c'est qu'il y a pas mal de textes qui étaient coupés. Hein. Oui, en plus. Oui. Mais celui-là m'avait fait beaucoup rigoler à l'époque, le truc d'intelligence. Il ouais. fallait quand même y penser. Quoi. Ça change comme Apocalypse, je trouve. Ouais. Et il y a aussi l'homme, comment il s'appelle, l'homme total, je crois, c'est ça. L'homme total. Ouais. Ah, ça, je ne l'ai pas. L'homme total, il est là, ouais. Tu vas-y, Patrick, si tu l'as. Si tu... Non, mais ouais, mais c'est, ouais lui, j'aime bien. Super couverture. Ouais, c'est Futurama. il est très tôt, mais. Le premier roman où justement il s'éloigne un peu de la space opéra alimentaire et il essaye de faire quelque chose d'un peu différent sur un personnage de télépathe qui est difforme, qui essaye de maîtriser ses pouvoirs. Et c'est un peu le moment où, moi je l'aime bien parce que c'est un peu le roman où Brunner commence à se révéler en tant que Brunner, en tant que qu'auteur avec un potentiel vraiment expérimental. Plus fort que la moyenne. Ouais, alors moi, je sais que ces deux-là m'avaient bien fait craquer aussi. Surtout Noir et la couleur. Ça, j'avoue que. Eh ben oui, je vois, c'est romans New Wave que tu aimes bien. Ouais. Voilà. Il y a clairement de quoi faire un omnibus là, avec tous ces romans New Wave. Ouais. Ouais, j'essaie de donner des idées pour la prochaine intégrale. Hein. Ah ben celle-là, bah, ouais, elle... voilà. Mais voilà, c'est ça, ben voilà, c'est cela. Voilà. On pourrait y remettre d'ailleurs total dedans. Mais ouais, c'est celui-là. Hein. Ou des productions du temps aussi, ça pourrait tout à fait aller. Ouais, tout à fait. Là, il y a les 4 titres plus là, il y a un joli omnibus aussi. Oui, oui, je prêche pour ma paroisse, clairement. C'est pas du tout intéressé, le gars. Non, mais c'est vrai qu'au-delà de la discussion qu'on a sur John Brunner, c'est, comme je disais, je reviens au fait qu'on est des rôlistes, il y a vraiment matière à s'amuser, à adapter ça à des trucs soit flippants, hein, comme je disais, un dystopique, futurologie, comme vous voulez, ou Space Hop débridé, mais avec cette touche de mélancolie, qu'on trouve pas souvent, hein, je trouve, dans les jeux de rôle Galactus, qui c'est un peu l'expansion, les combats, et tralala. Mais c'est vrai que là, faire ressortir la mélancolie, ce serait assez intéressant, je trouve, en mécanique. Ah, ça serait génial. Il faut absolument le faire, ça serait génial. Moi, je pense que ça serait vraiment très fort. Ben voilà, une idée de plus pour les Mos Ludica. On va faire bosser tout le monde. Super. De rien, écoutez, vous venez quand vous voulez. Hein. Avec grand plaisir. À chaque invitation, pouf, un nouveau jeu de rôle. Allez. Et toi, Antoine, je sais pas, du coup, si tu connaissais un petit peu Brunner ou pas trop J'en avais pas lu. Je connaissais, j'ai pas... j'en ai quelques-uns, mais j'avais surtout lu, c'est la Tétralogie Noire, justement. Ouais. Voilà, parce que c'est quand même... les plus connus, on va pas le cacher, ça. Oui. Donc ça, je les connaissais bien. Du coup, là, j'ai écouté, hein, j'ai fait ma petite liste. Voilà, ne vous inquiétez pas, ça c'est. Je vais rajouter ça sur ma liste et à lire vite d'urgence. Oui. Puis surtout à faire la place dans la bibliothèque. Oui, ça c'est un autre souci. On verra ça après. D'abord, on achète. Oui. Ensuite, on réfléchit. On ne peut pas tout faire. D'accord. On te laissera gérer ça à la maison. Oui. Il reste un petit peu de place là. Là.
Là. Attends, là je reviens. Le bout de carrelage, je le vois encore. Je peux encore mettre des bouquins dessus. Est-ce qu'il y a le regard de madame désapprobateur? Oui, je le vois. Dans les reflets. C'est pareil, moi aussi. Je ne sais pas si vous avez encore des choses à dire sur Brunner. Ou, je pense qu'on a déjà fait quand même un bon... Oui, on a fait un bon tour. Il y a plein de choses. Oui, il y a toujours, c'est toujours intéressant, mais je pense qu'on a bien balayé ce que vous pouvez dire aujourd'hui. Ouais. Et sur les nouvelles, parce que je sais qu'il en a écrit aussi pas mal, comme ça permettra de clôturer. Alors moi, j'ai le vieux livre d'or qui est toujours, toujours excellent à lire quand vous arrivez à mettre la main dessus. Sincèrement, les livres d'or, on les trouve encore à 1 euro, 1,50 euro en occasion. Il faut les acheter, ils sont vraiment bien. Beaucoup d'entre eux sont super, super intéressants. Le Bester, entre autres, le Dish aussi. Bon, bref, on pourrait en faire une émission à lui tout seul, rien qu'avec cette collection-là, avec les histoires d'eux aussi au livre de poche. Mm. Et toutes les anthologies de l'époque. Donc, je ne sais pas si dans les nouvelles, il y en a qui sont prévues, ou c'est des projets. Ou, non, ou pas trop. C'est plus compliqué quand même. Alors, c'est le point de vue purement éditorial qui parle. C'est pour trouver les différents endroits. Ouais. Oui, voilà, c'est assez compliqué. Et puis même les recueils de nouvelles ont quand même beaucoup de mal en termes de marché, tout simplement. Malheureusement, en France, on a du mal à vendre il y a toujours des exceptions, hein, mais de manière très majoritaire, c'est compliqué de vendre des nouvelles en France. Donc, malheureusement, en tant que lecteur, la nouvelle est peu regardée, alors que c'est un art extrêmement intéressant, extrêmement difficile. Et bien souvent beaucoup plus fort que des romans moyens. Quoi. Donc, je regrette que ce que les Américains et les Anglais pratiquent de manière très intéressante et talentueuse, on ne l'est pas en France. Mais c'est une question de marché. Hein. C'est une question de marché. Mais peut-être après, que ça se retournerait. Ouais, parce qu'en novella, je vois le boulot avec la collection Mineure Lumière. Hein, chez en novella. Ouais. Voilà. Oui, c'est 80, 120 pages, hein, effectivement. Ouais, c'est des courts romans, en fait, qui correspondent bien à l'ère du temps où on n'a pas beaucoup de temps pour lire. Ouais. Il y a un recueil dont on parlait en off, qui est son unique œuvre de fantasy, qui est le Traveler in Black. Je ne sais plus comment est-ce qu'il a été traduit en français Alors, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas tout ça. Le voyageur dans la... Le voyageur du... Ah, je ne sais plus comment en français. Et ça, qui est un recueil de nouvelles intéressant parce que c'est un peu le modèle de la Sword and Sorcery avec un héros un peu à la Elric le Nécromancien ou Conan, mais beaucoup plus philosophique, méditatif et qui revient dans un petit nombre de nouvelles où c'est presque un roman. Quoi. C'est presque un... Voilà ce que j'allais te dire, c'est presque un fix-up. Donc, c'est pour ça que ça nous intéresse, nous. Voilà. C'est le même univers et on suit les aventures de ce personnage. Le passager de la nuit, non, c'est pas ça. Le passager de la nuit, c'est exactement ça. Ouais, qui est curieux comme choix de traduction. C'est très curieux. Les couvertures, oh là là. Oh, mais ça, c'est la collection Best. Fleuve Noir, ouf. Oui, voilà, c'est la Fleuve Noir, parce qu'il faisait les romans américains et les romans soviétiques. Ah oui. Voilà, ils opposaient les deux. Donc, ils avaient les romans en gros capitalistes et les romans soviétiques. Je vais vous mettre ça, parce que quand même, c'est des monuments de la couverture. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Ça n'a rien à voir avec le. Ah ouais, c'est ce que ça raconte, puisque c'est de la sorte dans Sorcery. Hein. Ouais. C'était vendu en recueil de nouvelles de science-fiction. c'est ça, c'est les bests. C'est les bests. Donc il y avait les romans. Donc il y avait les Australiens, les Canadiens, les Américains à côté, et il y avait les Roumains, les Bulgares et surtout les Soviétiques de l'autre. Clairement ce qu'on disait. Par exemple, quand on a refait l'intégrale Strugatsky, qui était vraiment un de mes rêves de ma vie d'éditeur, c'était j'adore les romans de Strugatsky et des frères Strugatsky. La plupart d'entre eux, beaucoup d'entre eux en tout cas, avaient été publiés dans cette collection. C'était le seul. En même temps, il faut lui rendre hommage parce que c'était le seul endroit éditorial où les romans soviétiques russes, donc de science-fiction, pouvaient être arriver à traverser. Et c'était pas gagné. Exactement. Et c'était pas gagné à l'époque. Donc la guerre froide était quand même assez forte. Et s'excuser dans les couvertures, parce que c'est toujours rigolo aussi de s'amuser à critiquer les couvertures. Bah, j'avoue que ça, même si le roman était marrant. Oui, alors sur Futurama, il y a eu quand même des. Bon, il faut dire que Manchette, si je ne dis pas de conneries, Manchette a dirigé. C'est ça, en plus. Manchette a dirigé cette collection. Mais oui.
Et oui, ah, Patrick. Oui. Et ouais, Manchette a dirigé cette collection, quoi. Donc, c'est quand même dingue. Oui. Il a dirigé. Je ne sais pas s'il était à l'origine des choix de couverture. J'espère pas, parce que c'est quand même un drame. Parce que bah, Polymath, etc., c'est la même collection. Hein. Donc, ouais, je sais bien. Je sais bien. Ouais. Bon. C'est toujours amusant. Moi, j'aime beaucoup me moquer des vieilles couvertures. Je devrais pas. Mais si, quand même. On se manquera des nôtres dans 20 ans. Ouais, bah, j'adore Sudmac, hein, mais c'est vrai que. Faut qu'on m'explique le rapport. Bref. Bah, écoute, en tout cas, sur John Brunner, bah, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, il n'y en a pas d'autres. Non. Oui, là, j'ai mal aux yeux sur les couvertures, on est d'accord. Alors, la liste est facile, c'est la liste catalogue Nebrus. Oui, bon, bah, écoute. On est, je te l'ai dit, Plume, on est là pour que tu exploses ton PEL. Merci. Écoute-nous. Voilà. Toutes les semaines, on est comme ça. Mais écoutez, bah, je vous remercie encore tous les deux énormément. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Un grand plaisir d'être avec vous et avec tout le monde. Ouais, c'était vraiment, vraiment bien. De pouvoir discuter de John Brunner. Ouais, de toute façon, on se refera ça sur du Sturgeon ou Howard. Il y a des financements qui vont arriver, donc ça va être bien aussi. Avec grand, grand plaisir. Patrick, merci beaucoup. Ah ben non, merci de nous avoir accompagné. Je vais vous téléporter, puis après, vous n'aurez plus qu'à quitter le studio sur le petit bouton rouge. Ok. Et puis, on se dit à une prochaine. À bientôt. À une prochaine. Avec grand plaisir. Ouais. Fred, Antoine, merci beaucoup. Patrick, salut, à bientôt. Merci à vous. Bye, Fred, Antoine. Merci à tout le monde. Bye. Et bien voilà, mon cher Antoine, c'était particulièrement instructif. Ah ouais. Ah bon, oui. Franchement. Tu as compris que Brunner était un de mes sauteurs favoris. Oui, ça, je savais déjà et je comprends encore plus maintenant. Ouais, je pensais pas que c'était. Tu vois, je pensais que j'avais plus de. Parce que j'ai vraiment beaucoup bouquiné quand j'étais plus jeune. Et j'ai pas mal de bouquins de Silverberg, d'Asimov, tu vois. J'en ai beaucoup. Mais Brunner, je ne me souvenais plus que j'en avais autant. Quoi. Vraiment. mais ça m'avait tellement marqué à l'époque, le Tout ça dans Zibar et le Trou pour aveugle, que du coup, je voulais dire tout ce qu'il a fait. Et tu tombes sur des pépites. C'est pour ça que j'avais montré le. Ces deux-là, alors ils ont mis Eclipse Total dans le recueil, mais sincèrement, en space op mélancolique, où tu découvres des civilisations, en fait, c'est comme si tu étais dans Mass Effect, tu vois, avec les progéniteurs, sauf que les progéniteurs, ils n'ont pas continué l'exploration, ils ont régressé pour retrouver un mode de vie plus en harmonie, en fait. Donc, je devine que les mecs, ils ont dû lire du Brunner quand même à un moment donné. Oh oui, on sent quand même son influence dans pas mal d'œuvres. Surtout dans le milieu du jeu vidéo, on la sent beaucoup dans les gros, dans les jeux où vraiment qui font dans le grand space opéra, clairement. Ouais. Alors tiens, mais c'est vrai que j'ai pas vu. Il y en a qui sont arrivés en cours de route, donc bah oui, il y a Patrick Daubéa, Chandler, voilà. Etc. Voilà. Salutations à tous ceux qui sont arrivés en cours de route. Voilà. J'ai pas voulu interrompre nos invités parce que voilà, j'ai écouté, je vous ai mangé le popcorn en écoutant, mais parce que c'est mal poli, mais c'est un petit peu l'idée là. J'étais en mode, oh, continuez. J'avoue que je posais tout à l'heure. Normalement, je pose beaucoup plus de questions. Là, j'étais plus en. Mon Dieu, mais c'est super intéressant. Oui, voilà. C'est fou. Donc, alors, on vous le dit, hein, à la base, Patrick Moran, c'était pas du tout prévu. Ça s'est fait comme un cheveu sur la soupe. Fait que l'émission qui était prévenue demain, en fait, elle s'est faite ce soir. Tout simplement. Voilà. C'est un peu le spécialiste de John Brunner. C'est lui qui fait les préfats, justement, aux intégrales. Donc, c'est super cool, quoi. Oui, difficilement avoir mieux pour le ouais. pour le coup. Ouais, alors après, c'est vrai que bon, j'avais prévu un petit fil rouge et tout, mais on se le fait à la cool, et puis même si tu veux qu'on arrête, on peut arrêter. Le bilan 2022, je le ferai à la limite dans une autre émission, parce que des lectures, je pense que toi comme moi, hors jeu de rôle, on en a eu quelques-unes. Oui, après, c'est, oui, pas pareil, jeu de rôle, parce que ça, bon, on l'a fait un petit peu avec les coups de cœur. Moi, je dirais que le seul que j'ai, vraiment le gros coup de cœur, et c'est pas un bouquin de 2022, c'est vraiment que je l'ai lu en 2022, c'est celui-là, hein, tu en avais déjà parlé. Yvonne, oui. Ah ouais, ça vraiment, ça a été ma claque. C'est juste l'histoire donc, d'un éditeur qui a la cinquantaine, soixantaine, donc qui est Garnier, Alexandre Garnier, et il édite un ami d'enfance qui s'appelle Adrien Vivonne, qui est un poète, qui a une écriture tellement extraordinaire que
il veut pas qu'il y en ait d'autres qui l'éditent, c'est lui qui l'édite, mais comme il est jaloux, il le met à petit, tu vois, petit tirage, etc. Donc, le problème, c'est que le dernier écrit de Vivonne, parce qu'après, il a disparu, c'est pas Vivonne, c'est comment il s'appelle, Danse dans les ruines en évitant les balles. Voilà. Et c'est une espèce de pamphlet qui rend les gens tellement heureux qu'ils vont tous chercher ce qu'on appelle le doux. Une espèce de pays imaginaire, de pays de cocagne où, où tout est bien, tout est en harmonie. Et les gens qui le lisent sont complètement transportés, c'est le charme des mots, et ils voient une autre réalité devant eux. Donc, je ne vais pas vous gâcher le plaisir de la lecture, mais en gros, le présent d'Alexandre Garnier, c'est dans quelques années dans le futur. Vous avez les dingues qui sont au pouvoir, pas un dessin sur qui sont les dingues, hein. Voilà, c'est la dictature un peu partout, et qui font des tracks, guerre civile partout, catastrophe écologique, etc., etc. Et ce Alexandre Garnier, c'est un petit peu nous, en fait. C'est un petit peu notre génération, enfin ma génération, en tout cas, la cinquantaine, c'est-à-dire les petites compromissions, les grosses compromissions, les lâchetés, l'égoïsme, la jalousie, tout ça réuni en une seule personne, en fait, c'est un peu notre société, ce personnage. C'est pour ça que les gens qui l'ont lu n'ont pas du tout aimé ce personnage, c'est normal, parce que c'est notre reflet à nous, quoi. Et il voit ce possible devant lui. Je vous laisserai voir comment Alexandre Garnier va s'en emparer. Et Vivonne, une fois que vous avez lu, vous pensez que vous aussi, vous méritez le doux. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Et limite, ma petite larme à la fin, tellement c'était beau, tout simplement. Et je comprends pourquoi il a eu le Grand Prix de l'Imaginaire. Voilà. J'étais le seul que je voulais un petit peu discuter vite fait. Oui, encore, tu vois, je ne suis pas étalé. Non, c'était moi, vraiment celle qui m'a vraiment claqué, quoi. Non, j'ai pas eu de romans. Enfin, j'en ai lu pas mal de romans. Il n'y en a pas vraiment qui sont sortis du lot. Par contre, il y a un truc qui m'a marqué en 2022, encore que je crois que c'était sorti avant, hein, comme d'hab, toujours un train de retard. C'est un comics qui m'avait surpris. Ouais. Et chez Marvel, alors, la production Marvel, hein, ça va du moyen à pas fou, avec de temps en temps une perle. Ah oui, carrément. Et là, il y en a eu une. C'était le. Alors, il faut savoir que chez Marvel, c'est pas un comics. Hein. On parle d'un cycle. Hein, vous savez, ça s'étend sur un an, voire plus. Sur quatre séries différentes, c'est un cauchemar à suivre. Les consommateurs. House of X, chez les X-Men. Ah oui. Voilà. Parce que les X-Men, vous connaissez tous, on a tous vu les films, Wolverine, Cyclope, les classiques, hein, voilà. Les mutants ont des pouvoirs, allégorie du racisme, la ségrégation et tout possible. Hein. Plus ou moins bien traité. Il hein. Faut avouer que ces dernières années, c'était quand même assez mal traité, d'ailleurs, dans les comics. Et là, il y a eu une idée juste incroyable, c'est les mutants s'approprient une île, un peu bizarre, c'est Marvel, c'est normal, et en fait, ils fondent une nation mutante. Voilà, ils deviennent indépendants, et d'un point de vue politique internationale, c'est reconnu comme une nation à part entière, et surtout, ils sont immortels maintenant. S'ils meurent, ils reviennent. Un truc un peu bizarre, comme d'habitude, c'est Marvel, la mort, c'est comme un gros rhume. Mais là, ils ont joué avec ça, d'ailleurs. Ouais. Ils ont joué avec le truc où les héros revenaient régulièrement. Les héros reviennent régulièrement. Du côté jeu vidéo, en mode, ils vont essayer la mission jusqu'à ce que ça marche. Bref. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'est que là, on avait vraiment un questionnement vraiment, vraiment malin sur comment on fonde une nation à partir de rien. Mais littéralement, ils n'ont pas d'histoire. Les mutants n'ont jamais été une faction à part entière, à part quelques exceptions. Mais là, d'un coup, tous ensemble, d'un coup, on a des milliers de personnes qui doivent vivre ensemble, qui doivent développer des règles pour vivre ensemble. Et en mode, on n'est pas humain, on est humain, mais pas trop. Comment on fait pour se différencier? Bref, c'est fabuleux. Il y a eu des idées incroyables. Bon, comme d'habitude, parfois, ça part un petit peu en sucette. Bon, voilà. Mais bon, il y a ça. Et puis, le rapport à la mortalité. Quand on ne meurt plus, comment on agit tous les jours? Il y a des personnages, on se doute bien que Wolverine, ça ne change pas grand-chose, hein, il avait déjà du mal à mourir. Mais du coup, certains se disent, oui, mais celui qui revient après moi, est-ce que c'est toujours moi? Donc, il y a vraiment une réflexion là-dessus. Et d'autres, c'est ça. Et d'autres, si je meurs, c'est pas grave, je reviens demain. Certains le voient comme un jeu vidéo. Ce qui est marrant, c'est qu'on verra plus les jeunes mutants qui vont voir ça comme visualiser ça comme un jeu vidéo et les plus anciens qui vont se dire... Je me pose une question, j'ai pas envie de mourir. D'autant que mourir n'est jamais agréable, même si je m'en souviendrai pas. Et puis du coup,
maintenant qu'on est tous immortels, qu'on a une nation, comment on fait avec les anciens, les criminels de guerre chez les mutants? Il y en a plein. Hein. On en a quelques-uns hein, dans le lot. Hein, Magneto, Apocalypse, les ouais. gens sympas. Toi aussi, tu avais vu la composition du conseil. C'était violent, le conseil. Ou pas. Voilà. Et du coup, les lois. C'est quoi, quel droit va prévaloir? Les lois mutantes, qui n'ont toujours pas été vraiment écrites, ou les lois humaines? Bref, des idées incroyables. Ça m'a vraiment scotché, parce que pour une fois, j'avais envie d'en savoir plus. Bon, de toute façon, on attend maintenant dans combien de temps Marvel va tout faire péter, parce qu'il y a un auteur qui n'aura plus d'idées et qui va tout remettre à zéro. C'est du classique, hein, les reboots, les relaunchs, les machins. C'est ça. Et bon, pour une fois qu'on avait les mutants qui devenaient la force majeure, la dominante sur Terre. Parce que d'un coup, bah oui, ils sont unifiés pour une fois, et ils ont une technologie qui dépasse de très loin tout ce qu'on est capable de faire, et ils sont capables de régler des problèmes mondiaux en littéralement claquant des doigts. Et puis ils colonisent Mars aussi à un moment donné. Hein. Ils colonisent Mars, qui devient une nation à part entière, mais ils colonisent Mars, ouais. Genre ça leur prend une grosse après-midi, littéralement. Histoire de montrer à l'humanité, regardez, nous on pèse dans le game, Mars va la terraformer en un jour. Et ils le font. Voilà. Alors, c'est qui le chef maintenant? Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des X-Men, l'île, c'est Krakoa. Donc, ça remonte à 75. Vous savez, l'île qui mange les mutants. Voilà. Il y a un truc bizarre, mais ouais, on revient là. Et puis, du coup, ça permet de faire. Ils font revenir tous ceux qui étaient morts il y a longtemps. Et oui. Et oui, parce que X-Men aussi, hein, si vous voulez une série, des comics où c'est déprimant possible parce que tout le monde meurt, les X-Men, c'est ça. Oui. Et du coup, il y a des personnages qui sont morts il y a 10, 20, 30 ans et qui reviennent et qui doivent recomprendre maintenant la société actuelle. C'est assez particulier, c'est assez rigolo. Ouais. Moi, je te dis, c'est parce que je l'ai lu aussi, et c'est la composition du conseil qui gère Krakoa. Surprenante. Quand tu vois qu'il y a dedans, tu fais « Ah d'accord, Le top 3 de se dire qu'on a Charles Xavier, Magneto et Apocalypse qui sont un petit peu les big boss du truc, on est en mode… Avec Exodus aussi, t'es là, tu fais « Ok ». Mais c'est ça, mais les gens, il y a quand même des criminels de guerre qui sont recherchés, genre… Sébastien Chou parfois aussi. Plus que Hitler, dans la liste. Ils ont voué là quand même. Oh, bah, bref. Ouais, c'est vrai que c'est une belle claque. Hein, voilà, il y avait ça, après il y aura Immortal Hulk, parce qu'en fait, c'est une année où j'ai beaucoup, beaucoup lu de comics, en fait. Ah bah, tu nous fais une petite émission, hein, voilà. Oui, voilà. De toute façon, un jour, hein, je reparlerai avec Comics et JDR Super-Héros, vous inquiétez pas. C'est prévu. Mais ouais, voilà, moi, c'était ma grosse claque en 2022. Ouais, mais écoute, moi, c'est surtout... Je suis d'accord, parce que c'était globalement de l'ASF. Ouais, comme ça, je peux présumer de son avenir, s'il connaît son passé. Ouais, c'est vrai qu'ils essaient de redécouvrir ça. Puis surtout, il y a des mutants là-dedans qui étaient Apocalypse et autres qui sont là. Et Sinistre aussi, qui fait partie du conseil. Oui, quand vous mettez le docteur Mengele local. Ah ouais. Ça, j'adore. ouais. Sinon, qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment? Moi, j'ai attaqué ça. Je t'en avais parlé. Hein. Oui, oui. Tu m'en as parlé, Ben. Oui, ouais, je t'en ai parlé à toi, mais je ne vais pas parler sur l'antenne. Alors, c'est un roman de commande, bizarrement. Donc, c'est au Forge de Vulcain, donc Alexandra Koselic, que j'ai rencontré, donc, qui est ukrainienne. Hein. Et l'éditeur David Melmans des Forges de Vulcain. Donc, je pense qu'on interviewera assez rapidement. De toute façon, j'étais en contact avec lui. C'est un roman de commande, comme je vous dis, parce qu'elle écrit sur l'invasion russe de l'Ukraine. Mmh. Et donc, c'est l'histoire d'une archiviste dans sa ville hein, qui a été complètement détruite. L'envahisseur est là. Et une autre façon de gagner une guerre, c'est aussi d'effacer la culture de l'autre. C'est un classique hein, des invasions et autres, c'est d'effacer toute trace de la personne que vous avez conquise. Et c'est ce qu'ils font avec les œuvres. Sauf que l'archiviste va essayer de trouver un moyen de contourner ce qu'on lui demande de faire et de sauver ce qui peut l'être encore dans cet univers de guerre. C'est super beau, hein, j'ai commencé hein, et c'est vraiment une super plume. Donc je pense que je vous en reparlerai dès qu'il sera fini. Et puis je crois que j'en avais juste que je voulais évoquer, s'il n'est pas trop loin. C'est pas forcément un roman, bon là j'ai sur liseuse, moi c'est un ouvrage que j'ai trouvé fascinant. Je pense à ça, c'est Jurassic Park et le droit. C'est tout con. Ah ouais. Là, c'est écrit par des universitaires, hein, donc le truc, c'est quand même le droit, mais du coup, qui vont traiter des sujets qu'on a pu voir dans toute la saga Jurassic Park et l'appliquer ou illustrer des trucs en droit international et ce genre de choses. C'est juste fascinant. Alors, il y a quand même des chapitres, j'ai rien compris, parce que c'est vraiment trop pointu. Voilà, c'est fabuleux.
C'est très Jean-Marie. Ouais, c'est vrai oui, que le Krakoa, presque de Krakoa oui. au début, c'est chelou. Oh, même après, hein. Ouais, même après, c'est. En fait, c'est ça où c'est réussi, c'est que ça met mal à l'aise parce que pour une fois, là, on sent la différence des X-Men. Ouais. C'est pas notre civilisation, c'est une autre, c'est quelque chose d'autre. Ouais, on est dans l'après. Donc c'est peut-être pour ça. On est dans, voilà, c'est ça, dans quelque chose, voilà. Un futur. C'est ça, c'est un futur potentiel pour l'humanité et on n'est pas forcément prêt pour ça. Et puis oui, Transmétropolitan, oui, un comics incroyable. Hein. Si vous connaissez pas, foncez. C'est du post-cyberpunk, c'est comme ça que ça se définissait. Ouais, ou du post-cyberpunk. L'idée, c'est qu'on va suivre un journaliste, Spider Jérusalem, dans ses pérégrinations. Alors, le type est complètement ravagé. Hein, oui. Il est drogué jusqu'à la moelle et d'une ultra-violence à faire pâlir le Punisher. Mais le propos, c'est vachement malin. Et ça s'améliore avec les différents tomes. Franchement, je ne peux pas vous le spoiler, on ne peut pas vous l'expliquer, ça se vit. Allez-y, foncez. Voilà. Et alors moi, le dernier livre, alors j'en parle, hein, comme ça ce sera fait, puisque c'était un service presse hein, que j'ai vu par Albin Michel Imaginaire. Donc, c'est le dernier roman de Jean-Laurent Del Socorro, donc Morgane Pendragon. Alors, qu'est-ce que c'est? J'en parle vite fait, hein, peut-être que je en parlerai une autre fois, mais imaginez le cycle arthurien, mais façon uchronie. Alors, le titre le montre bien. Déjà, la couverture diégraphée. Hein, bon, oui, on voit déjà ça qui se passe percera, quoi. Voilà. Et imaginez qu'on est en 601 sur l'île de Bretagne. Hein, et bon, Uther est mort, hein, comme dans le cycle arthurien. Et puis, ben, vous avez quelqu'un, voilà, les gens qui vont essayer d'enlever l'épée du roc. Et c'est une personne qui va l'enlever, c'est Morgane, c'est Arthur. Voilà. Donc, c'est elle qui devient reine de Bretagne, enfin du royaume de l'Ogre, voilà, je cherchais le nom, et bah, de la cité de Camelot, il y a toujours Merlin, il y a tous les personnages qu'on connaît, hein. Lancelot, Gauvin, Marc, Tristan, Iseult, Arthur, voilà. Et donc on va suivre le récit de Morgane et d'Arthur, puisqu'il est aussi là. Et pour voir, ben, on reprend les thématiques, mais avec des femmes, fortes, c'est-à-dire que la table ronde qui est recréée, et il y a des chevalières. Et puis alors, je veux dire, Lancelot, en fait, il passe pas le deuxième tour dans les tournois, si vous voulez. Il se fait ravager par les nains du coin, quoi. Donc, bon, il y a le roi pêcheur aussi, il y a le Graal, tout y est. Alors, c'est très intéressant pour voir aussi les rapports de Merlin avec Viviane et le roi pêcheur, les trois en même temps. Il y a une espèce de trio. En même temps, le jeu trouble de Merlin, qui était évoqué déjà dans le cycle arthurien d'origine, Merlin, qui est à la fois l'enfant du diable, donc des cultures païennes, mais qui permet aussi à la chrétienté qui vient d'arriver via les Saxons de prendre pris en Bretagne et de commencer à christianiser à tour de bras. Donc, on a des. Bah, c'est la plume de Jean-Laurent Del Socorro, donc c'est toujours aussi bien écrit, c'est toujours aussi vivant, toujours aussi intéressant. Alors, après, moi, clairement, je n'ai pas accroché plus que ça, malheureusement, puisque je trouve que ce n'est pas allé vraiment au bout de ce qu'aurait pu être une uchronie arthurienne. Pourquoi? Parce que, ok, Morgane a l'épée, et Arthur est là, et c'est comme si Arthur, dans l'ombre, était Morgane, et vice-versa. Il y a cette inversion, et c'est un peu dommage, à la limite, on aurait peut-être pu carrément enlever les récits par Arthur, et avoir tout le temps Morgane, et s'affranchir vraiment un petit peu plus du cycle arthurien pour aller au bout de l'idée, je pense. C'est un peu dommage, parce que du coup, il y a des personnages qui se pointent un petit peu comme un cheveu sous la soupe, vous avez un Perse qui arrive, un Perse qui arrive à la cour de Camelot, quoi. Comme ça. Il y a une explication, mais voilà, ça arrive de loin. Alors, ok, il n'y a pas encore l'islam qui est arrivé en Perse. Donc, c'est encore le zoroastrisme. Je vais y arriver. Il explique que les mages chez eux ont senti qu'en Bretagne, il se passait des choses. Donc, il arrive. Et puis, ça s'arrête là, en fait. Le mec, il reste sur place. Et puis, bah, on n'en sait pas beaucoup plus sur ce qu'il aurait pu apporter. Et voilà, c'est des touches qui sont un peu dommages, je trouve. Ceci dit, bon, voilà, c'est une super plume, quoi. Mais voilà, il y a ce côté un peu plaqué. Je pense qu'en prenant peut-être un peu plus de liberté sur le cycle, ça aurait peut-être, enfin, en tout cas, moi, ça m'aurait peut-être plus touché. Ça reste efficace, ça reste super intéressant. Donc, si vous aimez les versions modernes du cycle arthurien, allez-y. C'est un peu la version française de ce que Marion Bradley avait fait avec le cycle arthurien, c'est-à-dire. Les Dames du Lac et les Brumes d'Avalon, pour ceux qui connaissent. Voilà.
qui était la vision féminine du cycle arthurien. Ben là, c'est un peu le contre-pied. Donc, intéressant, mais moi, en tout cas, je suis un peu... Pas chafouin non plus, hein, pas déconner, parce qu'il écrit super bien, Jean Laurent. Mais voilà, en tout cas, intéressant. Très sympa, quoi. Je regarde le pitch de La Geste du Nadir. Alors, La Geste du Nadir, c'est un jeu, je crois, non ? Un jeu de rôle, il me semble. Oui, c'était en financement il y a quelques mois. Ouais, c'est pour ça que ça me parle. Le dernier homme. Le dernier homme, tout à fait. Ok. Et Boudica. Oui, Boudica de Jean-Laurent Del Socorro. Alors moi, personnellement, j'ai beaucoup plus accroché sur l'univers de Royaume de Vent et de Colère, puisque je vous avais parlé de Noir et le Sceau de l'Enfer. La novella qui fait jeu de rôle, puisque Jean-Laurent est aussi un rôliste patenté et émérite. Donc je pense qu'on l'invitera assez prochainement, de toute façon. Mais ouais, c'est Royaume de Vent et de Colère, La Guerre des Trois Rois, Du Roi, je serai l'assassin. C'est vraiment excellent. C'est une super plume, quoi. Donc, très intéressant. Voilà, je ne sais pas si toi, tu as des attentes en littérature ou autre. En littérature ou comics, là, de toute façon. Voilà, il n'y a pas... De toute façon, il y a encore une liste de... Je suis déjà en retard sur à peu près 200 bouquins, hein, déjà, pour commencer. Ouais. Voilà. Non. Il y a peut-être juste un roman que j'attends, parce que c'est la fin d'un cycle de SF sur Warhammer 14 000 que j'attends, mais c'est plus parce que c'est un truc, ce serait basiquement le tome 81 d'une saga, donc j'ai envie de savoir comment ils vont réussir à terminer un truc aussi ambitieux. C'est Horus Hérésie, je crois, c'est ça, non ? C'est ça, l'Hérésie d'Horus. Donc voilà, donc je l'attends, hein, ça a été annoncé en VO, là, en diptyque, du coup, j'attends ça. Salut Sloppy. Hello. Oui, c'est vrai que l'Hérésie d'Horus, moi je ne suis pas du tout un joueur de Warhammer 40 000, mais pour ceux qui les ont lus, il y a du très bon niveau littéraire. Il y a du très bon, ça a mis beaucoup de temps à se lancer, en même temps, plus de 70 tomes, vous imaginez, c'est 70 tomes, mais 12 auteurs différents. Ouais. Donc, ça part un petit peu dans tous les sens, c'est le problème, il y a des tomes qui sont très bons, hein. Si vous avez du Dan Abnett ou du Aaron Dembski-Bowden, alors là, faites-vous plaisir. Les deux savent écrire. Il y en a d'autres. Bon, quand vous avez un James Wallow ou un John French, bon, on va faire avec. Hein. C'est pas... un peu comme les romans des Royaumes oubliés, quoi. C'est ça. Il y a du bon, il y a du moins bon. Mais la toile générale a commencé comme un gros truc bien bourrin. Bon, ça va finir en un truc bourrin, mais qui, au final, incroyable d'ambition. Puis on s'est attaché à ces petits bonhommes, bon sang. On sait qu'ils vont perdre, la moitié va perdre, mais on s'est attaché à cette bande de cons. Ces petits Space Marines. Pas forcément. Ouais. Et tous les humains qui gravitent autour. Hein, parce que, voilà, on a quand même des Space Marines qui foutent la galaxie à feu et à sang, mais il y a des gens qui vivent dedans. Voilà. Sur la fin de la guerre sur Terra. Oui. Okay. Ils ont fait il y a la Résorus et la bataille finale. Ils en ont fait un cycle à part entière, tellement la bataille est immense. Donc je crois qu'on est déjà au tome 7. Hein, tome 7 qui font 500 pages chacun. Bah écoute, tu pourrais nous faire une émission pour nous parler de Warhammer 40 000 et des romans. Oui, parce que un jour, je parlerai des adaptations. C'est prévu que je fasse une émission sur Warhammer et Warhammer 40 000, les différentes adaptations. J'ai quelques petites idées là-dessus. Aussi bien... Parce que j'ai même en jeu vidéo, j'en ai du Warhammer. Littérature, c'est ça. Littérature, jeux vidéo, jeux de plateau, il y a... C'est devenu quelque chose vraiment immense. Ouais, puis moi, j'attends de compléter un peu, puis je vous ferai un jour un Babylon 5 aussi, parce que bon, bref, pas déconner. Oui, tout à fait. Et resituer parce que les plus jeunes d'entre nous n'ont jamais connu Babylon 5. Oui, alors par contre, ça risque de piquer, hein, les effets spéciaux. Ah oui, bah après, déjà, oui, non, mais de toute façon, les séries de SF vieillissent mal, en général. Bah, Galactica, je l'ai revu, ça passe, alors, hein. Non, mais Battlestar Galactica de 2004 était déjà à la pointe, à l'époque. Bah, en fait, c'est surtout, les batailles spatiales, ça a vieilli, mais l'intérieur, c'est la prise de vue réelle, c'est du vrai décor, du coup, et puis il n'y a pas d'alien, donc à partir de là, ça va. Parce que Babylon 5, même les intérieurs, ça faisait carton-pâte, quoi. Mais bon. Ah oui, c'est carton-pâte avec du néon, hein. Alors, il y avait de la couleur, hein. Ah, il y a du violet, hein. Vas-y, fais péter de la couleur violette et verte de temps en temps, t'es en mode... Ça se fait plus, hein. Il manque quand même pas mal de suppléments, donc tant que j'arrive à récupérer... Oui. Bon, j'ai les essentiels, hein. J'ai même la boîte de la station de la deuxième édition. Ah oui, ça, voilà, mais ça fait partie des trucs dont on pouvait pas... Voilà, on va en parler, parce que pareil. C'est un monument de l'ASF actuel. L'ASF en série,
les séries modernes doivent beaucoup à Babylon 5. Ouais, parce que je crois que c'est... Alors, c'est pas le premier, hein, mais c'est un des premiers à avoir su imposer un début et une fin. Oui. Il avait dès le début, le pitch du début, le pitch de la fin, puis après, bon, il a rodé au fur et à mesure. Normalement, je crois que c'était censé faire 4 saisons. Hein, mais C'est ça, mais voilà. Au moins, c'était cette quadrille, ça avait volé. Parce que là, la plupart des séries avant, en SF surtout, bah, en fait, ne sachant pas si c'était renouvelé ou pas... Ouais. Puis l'actrice qui faisait Ivanova, du coup, a été débarquée. Donc la 5e saison, c'était... Bon, il y a l'épisode de Neil Gaiman dans la 5e saison qui est fin. Oui, de toute façon, si c'est Neil Gaiman déjà à partir de là... C'est la fête des morts, quoi. La fête des morts, mais c'est fabuleux, quoi. Mm. Donc t'as la moitié de la station qui disparaît, en fait. Mais bon. Mais ouais, donc les Technomages, les Vorlons. Sachez aussi que j'ai, je crois, 2 trilogies complètes de romans en anglais. Donc celle du Corpsi et celle de la chute de Centauri Prime. Ouais, qui n'était pas mauvais de souvenir. Ah, alors, j'ai lu ça il y a longtemps, hein, mais pour des romans tirés d'une œuvre visuelle, c'était le haut du panier. C'était quand même pas mal, parce que la plupart du temps, à l'époque, c'était quand même des commandes, et c'est assez lamentable. C'est du tâcheron, quoi. Faut oui, bon, genre, voilà, c'est du roman de gare. Voilà, tu achètes ça, tu lis ça dans le train, puis voilà. Mais ça n'apporte rien. Là, les romans, dans mes souvenirs, ils apportaient vraiment quelque chose. Bah, on va dire qu'il y en a vraiment 2 qui sont marquants. Tu as celui qui est... je ne sais plus le titre en anglais, d'ailleurs, parce qu'il n'a pas été traduit, malheureusement. C'est l'histoire, justement, qui clôture l'arc de Sinclair sur Minbar, quand ils fondent les Rangers. Enfin, pas ils les fondent, mais il devient le premier Ranger. Mm. Et il y a toute l'histoire où, justement, bah, après, il y a l'histoire avec Valen, et on retrouve sa femme, justement, qui avait disparu dans la série. On la retrouve dans le roman. Il est magnifique. Et la trilogie du Corpsi, oh, mes aïeux. Une fois que vous avez lu ça, quand vous voyez Bester, bah, vous l'aimez. Vous êtes obligé d'aimer Bester. Mais vraiment, enfin, je veux dire, il a tout son passé, qui étaient ses parents, qui il était, comment il a évolué, qu'est-ce qu'il voulait réellement. C'est un bijou. Voilà. Et il y a sa fin. Et sa fin, elle est encore plus tragique, quoi, du coup, quand on sait réellement tout ce qu'il a fait. Extraordinaire, le Corpsi. Donc, ouais, bon, on peut en parler pendant des heures. Voilà, je ne voulais pas faire un bilan non plus qui prenne des heures, parce que sinon, je pourrais le faire, à la limite, si ça vous intéresse, enfin, si ça nous intéresse aussi déjà. Parce que bon. Mais si vous avez des idées de thèmes à aborder, de bouquins que vous voulez qu'on traite ou qui vous intéresseraient, vous n'hésitez pas, quoi. Voilà. Exactement. N'hésitez pas. Hein, voilà, vous avez entendu le chef. Hein. À vos claviers. Voilà, je sais que j'avais vu passer dans les commentaires une fois d'essayer d'avoir des auteurs qui sont aussi des rôlistes. Donc j'avais vu du Fabien Clavel passer, donc oui, pourquoi pas, parce qu'il écrit sur du Néphilim. Oui, il a fait du Néphilim, il a fait Les Héritiers. Ouais, entre autres. Voilà. Et puis, Les Héritiers, c'est un peu plus récent quand même que Néphilim. Hein. Ouais, puis après, dans les auteurs qu'on connaît, il y a Philippe Origo, qui est aussi écrivain et rôliste. Bah, Raphaël Barnas, qu'on a cité. Jean-Laurent Del Socorro. Il y a de quoi faire, donc n'hésitez pas, vous faites passer dans les commentaires de la vidéo. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre vos commentaires, les petits pouces qui vont bien, les abonnements, enfin abonnements à la chaîne, j'entends. Oui, voilà. Voilà. Donc écoutez, je sais pas si toi tu as envie de rajouter quelque chose sur les lectures, parce que c'est vrai qu'on parle littérature, mais c'est aussi BD, comics, manga, séries télé, films, et j'en passe, tout ce qui a trait à l'imaginaire et qui peut nous aider dans nos parties aussi, quoi. C'est ça. De toute façon, voilà, on a fait un petit peu le tour. Quoique, si on rajoute en 2022, si on part dans les séries, il y avait une série, il y a quand même quelques séries qui sortaient un petit peu du lot, voilà, quand même. Ouais. Arcane, si je ne dis pas de bêtises, Arcane, c'était 2022, l'adapte. Je sais plus si 2022 ou 2021, mais bon, peu importe, elle était vraiment, ah bon vraiment excellente. Je ne sais plus. Bref, c'était déjà un coup de cœur. Bon, les séries, c'est encore un sujet à part, donc ça, il faudrait en parler à part, mais oui. Ouais. Il y a eu de très très bonnes choses, surtout réutilisables en JDR. Hein. Ouais. Voilà. Moi je pense que je vous parlerai. D'abord, on va s'amuser avec les bouquins et les BD. Et en série télé, moi je vous parlerai de Infinity, qui était une production Canal. Extraordinaire série. Enfin, extraordinaire dans les thématiques, avec très peu de moyens. C'est vraiment super. Voilà. Donc je vois du PVL. Les séries à adapter, les séries qui sont un univers parfait pour JDR. Ah oui, bah, Archive 81. Archive 81, c'est excellent. Alors, un peu plus. Voilà, ça c'est simple, efficace, une saison, une campagne. Mmh. Voilà. On va dire une manière de renouveler un petit peu cette ambiance-là, sans viser que tout, mais bref, on a compris le principe. Et
peu plus ancien, vous prenez Fringe, pour Person of Interest, vous avez des campagnes complètes. On aurait de quoi s'amuser. Alors, je vais passer du PNL. Counterpart, tout à fait. Voilà. Oui. Pierre Pével, ça va être compliqué. On va pas se mentir. C'est très compliqué. On aimerait. Ouais, ouais. Ah, bah oui. Voilà. Complètement. Philippe Tessier Polaris, ouais, carrément. En plus, il est dominant pour Arcane. Tu as raison. Je savais que ça. Et Jean-Philippe Javorski, on y travaille. On y travaille. On travaille là-dessus. Mais on travaille la bête. Pour les auteurs biclassés, rôlistes. Oui. Bah écoute. Il y en a beaucoup, sachant qu'en plus... Beaucoup plus qu'on le croit. Ouais. Il y a beaucoup qui ne se planquent pas du tout, hein, on va être clair. Si je dis bah oui, Maxime Chattam, Mathieu Gaborit, voilà. Si je ne dis pas de bêtises, Estelle Fay et Florian Soulas sont des rôlistes aussi, en auteur féminine. Tout à fait. Voilà. Oui. Et ça se retrouve un peu, donc il y aura de quoi faire. Alors Maxime Chattam... même si je discute de temps en temps avec lui, sincèrement, ils n'ont pas besoin de moi pour leur faire de la pub, mais sincèrement, les deux interviews qui ont été faites sur Rollis TV, elles sont super top, quoi. Une fois que vous les regardez, est-ce qu'il y a vraiment besoin que nous on le fasse, quoi, tu vois, ça ferait un peu doublon, je trouve. Bon, après, on peut toujours, hein, s'il est OK, mais elles sont déjà tellement bien que voilà. Donc, pub et honte pour les anciens copains. Voilà. Ouais, Nico Takian. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le gang de Lovendruck. Ah, si oui. Vous aimez les polars et les thrillers, les mecs qui roulent en bécane et tout, voilà, des vieux barbus cinquantenaires, ils vont me tuer s'ils m'entendent. Mais c'est tous des rôlistes. Appelle Doctor Loutou, bah, c'est les potes à Maxime Chattam. Donc Henri Lovendruck, Olivier Norek, Nico Takian, Franck Tillier. Oui, Franck Tillier, hein, le monsieur qui vend quelques petits romans. Voilà, c'est un rôliste au taquet aussi, quoi. Tous ces gens-là, quoi. Donc voilà, il y aura de quoi faire, bien s'amuser au fur et à mesure. Mais c'est vrai que ce soir, voilà, c'était l'occasion de discuter. Bah, c'est un petit plaisir de parler d'un auteur qui n'est pas assez connu et qui a apporté beaucoup, en fait, beaucoup de thèmes. Franchement, si vous lisez sur l'onde de choc, bah, vous allez prendre un choc. C'est clairement le cyberpunk comme on connaît, quoi. Voilà. Bon, écoute, oui, Pierre Bordage, ce serait possible en festival, plus qu'en interview comme ça. Beaucoup plus simple. Et pareil, super adorable comme monsieur. Oui, très sympathique, Cédric Ferrand. Ouais, aussi, bah oui, c'est vrai. Bien sûr. Lionel Davoust, qui a écrit avec Christian Grussi sur les Archéos. On en reparlera de ça d'ailleurs. Voilà. Bientôt un roman de Fred. Alors, non, je n'écris pas. Puisque je suis un gros procrastinateur, c'est-à-dire que pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut faire dans une semaine. Ah, c'est ça. Voilà, donc j'arrivais à écrire des ébauches de scénarios, donc c'était très bien quand on jouait à Vampire et à Ombre. Voilà, on met sur une page blanche, vous mettez des patates, faites des liens et tout, ça c'était cool. Écrire, non, c'est pas mon truc. Clairement, chacun son truc. Je peux donner des idées, c'est gratuit. Bah écoute, je sais pas si tu veux mettre le petit mot qui va bien pour terminer ce soir. Bon, bah, le petit mot de la fin. Voilà. Oh, putain, c'est vrai, j'avais prévu des bannières. Alors attends, je vais les faire quand même. Regardez-moi. C'est vraiment ces jolies bannières que... On avait prévu des choses. Il y avait plein de choses de prévues. C'était beau. Regardez ça. Hop, voilà. Je suis sur John Brunner. Et comme on vous disait, il y aura plus tard une discussion sur Theodore Sturgeon, qui est un écrivain absolument fabuleux. Mmh. Alors ça, en jeu de rôle, bien barré. Oui, là on est un autre style déjà. Hein. Ouais, ouais. Donc, les lectures et bilans de... Voilà, hein, ça c'est fait, merci. les actus du moment, je vous les ferai une autre fois, parce qu'il y a des festivals littéraires, etc. Et j'ai oublié, honte sur moi, je vais essayer de vous trouver ça. Ah ben je l'ai plus. C'est la merde, comme on dit. Voilà. Comment discuter donc du planning des éditions de Nemos? Il y a un blogueur que j'adore, donc c'est Nicolas, hein, me disait Frédéric, qui est aussi urgentiste pédiatrique et qui tient un blog sur lequel je vais régulièrement, qui poste beaucoup sur Twitter, Facebook et autres. Et là, il a fait le tour de tous les éditeurs en petite interview. Donc vous retrouvez ça sur son blog, je vous mets les liens dans la vidéo. Et vous avez tout le planning Nemos pour 2023. Donc nous, on a discuté du premier trimestre. Voilà, vous avez la totale. Et puis c'est un super blog, donc comme ça, j'ai fait de la pub parce que c'est un super gars. Voilà, ça c'est fait. Et puis donc, la bannière qui va bien.
Eh oui, déjà. Voilà. Bon. C'était rigolo. Ah oui, rigolo et très instructif. Franchement, un vrai plaisir. Ouais. Et bien, écoutez, on vous dit, vous fait des bisous à toutes et à tous. Eh oui. Et puis, hein, quand même, merci d'avoir été là. Ouais. Et puis, on vous dit à très bientôt. Oui. Voilà. Plein de choses qui arrivent, comme d'habitude. Ouais. Vous inquiétez pas. Allez, sur ce, ciao tout le monde. Salut. Alors, j'essaie de retrouver. Ah, on est comme ça. Vas-y, je te laisse faire. Vas-y.